Déjà, merci beaucoup d'être aussi nombreux et nombreuses. On s'y attendait pas vraiment, donc désolée pour ceux qui sont assis par terre. On espère que ça va aller. Je voulais juste vous présenter en 2-3 mots l'AEA, donc Association des étudiants et étudiantes afrodescendants de l'Université de Lausanne. Juste pour vous raconter un petit peu l'historique, donc de base, cette association c'est partie d'une envie entre un groupe de potes de se sentir représentée au sein même de la communauté universitaire, parce qu'en fait jusqu'à aujourd'hui il n'y a aucune association à l'Université de Lausanne de ce type-là qui existe, il n'y a pas non plus d'association africaine. Et en fait c'est aussi partie du fait que on s'est tous rejoints sur l'idée que pendant qu'on faisait nos études, on avait envie d'en apprendre plus sur l'Afrique ou sur les diasporas. Et en fait, il n'y a aucun cursus, parce qu'on est en sciences sociales, en droit, en médecine, peu importe. On n'avait pas, en fait, il y avait une lacune à ce niveau-là. On a essayé de trouver des cours. Moi, je suis en histoire, par exemple. Il y avait peut-être un cours qui portait là-dessus sur 2 ans d'histoire jusqu'à maintenant. Et on s'est dit, en fait, on va le faire nous-mêmes, ça va être plus simple. Donc l'idée est partie de là. Ensuite, il y a eu des événements sur le campus. Je ne sais pas si tout le monde est à l'université ici ou autre, mais il y a eu en gros l'année passée un article sur le blackface, je pense que certains s'en rappellent, qui défendait l'idée que le blackface n'était pas raciste. Et en fait, à partir de là, ça a été un peu l'élément déclencheur. Et on s'est dit, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose là. On ne peut plus laisser ce genre de choses passer et personne ne s'en occupe. Donc on va le faire. Et ça fait officiellement depuis septembre 2018 qu'on existe au niveau des statuts. Et depuis, on a organisé 2 conférences et une soirée. Et le but, voilà, c'est de un peu promouvoir, enfin pas un peu beaucoup même, promouvoir la culture panafricaine. On est plusieurs nationalités au sein même de l'association, donc c'est pas seulement une culture, mais des cultures, d'où le terme aussi afrodescendant et pas seulement africain. Pour faire ça, on fait des conférences, des débats, des soirées, on va essayer de faire d'autres événements aussi. Il y avait aussi une volonté d'explorer un maximum cette sphère-là intellectuelle, déjà pour nous-mêmes, parce que rien que moi, je ne peux pas prétendre tout connaître de cette culture, de se la partager entre nous, d'en apprendre un peu plus sur nos origines, mais aussi sur les différences, parce qu'il y en a, et sur ce qui nous rassemble, de le partager entre nous et de le partager après sur le monde un peu extérieur. Et au-delà de ça, il y avait aussi une réelle volonté de se former entre nous, de se rencontrer, d'essayer un peu d'apprendre à se connaître, et de, après, pouvoir le partager un maximum. Là, c'est la première table ronde qu'on organise, donc soyez indulgents, s'il vous plaît. Première aussi conférence ou événement qu'on fait de l'année. J'en profite pour vous dire que si jamais le 12 avril, on organise la 2e soirée au Mibar, mais vous verrez la publicité là, mais juste retenez le 12 avril au Mibar. J'espère que vous allez avoir du plaisir à propos de cette conférence table ronde. Et puis, n'hésitez pas à prendre la parole aussi. Moi, là, je suis là au milieu, j'étais pas prête. Donc, n'hésitez pas à le faire aussi. On est là pour discuter, on est là pour partager, pour se poser plein de questions et apprendre ensemble. Alors, moi aussi, je vous remercie de tous d'être là. En fait, je vais juste décrire un petit peu ce qui va se passer ce soir. On va d'abord aborder, en fait, le colorisme. D'un point de vue historique, donc ce sera vraiment très bref. Vous comprendrez le thème du colorisme au cours de la table ronde, en fait. Et du coup, on va parler de 3 gros axes principaux ce soir. D'abord, le colorisme dans les médias. Ensuite, un point de vue masculin, parce qu'on n'en parle pas assez. Et puis, à la fin, en fait, on va partager nos expériences propres. Et du coup, ça permettra de montrer que l'historique, en fait, est toujours actuel, en fait. Ce qui s'est passé il y a 100 ans, 200 ans, finalement, a des répercussions aujourd'hui. Et c'est important d'en parler. Alors, merci beaucoup d'être là. Alors je vais juste revenir sur quelques points de la vidéo avant pour ceux qui n'ont pas compris ou pas bien vu ou pas bien entendu. On parle du blanchiment de peau en Jamaïque, donc des gens qui mettent en péril leur santé pour devenir plus clair. On parle en Afrique de femmes qui disent qu'une femme plus claire sera plus appréciée des hommes que des traits entre guillemets noirs, donc un nez plus gros, une bouche plus épaisse, ce sera négatif. Une peau plus foncée, ce sera négatif, donc faire attention aux enfants qu'on va avoir. Et en fait plein de sujets et ça concerne beaucoup de communautés. Donc en fait pour l'aspect historique, je tiens à dire que le colorisme ça existe depuis très très longtemps. Déjà en 1712, il y a eu un discours de William Lynch qui voulait en fait séparer les esclaves. Et il disait aux colonisateurs en fait, aux maîtres d'esclaves, de les séparer non pas par la violence et pas, en fait, ne pas les soumettre par la violence, mais les diviser entre eux. Et pour ça, ils voulaient les diviser entre eux via leur couleur de peau, en fait. Mettre en avant leurs différences pour que entre eux, ils aient une espèce de combat, de rivalité. Merci, c'est ça que j'ai cherché. Donc, par exemple, les esclaves plus clairs étaient souvent à la maison avec des meilleures conditions que les esclaves plus foncés. Après, on peut aussi parler déjà en 1930 au Brésil.
qui était un pays en fait à majorité noire, qu'ils ont vraiment bloqué l'immigration africaine et favorisé l'immigration européenne dans un but de blanchir la population. Et c'est pas les seuls présidents, c'est pas les seules lois qui ont été créées afin de blanchir tout un peuple. C'est arrivé en République dominicaine, au Congo, au Brésil, enfin c'est arrivé un peu partout. Et du coup, je pense que dans ce contexte, on peut maintenant placer le colorisme actuellement. Et ce sera un peu le but de la conférence, c'est de dire que ça existe toujours et qu'on en souffre tous. Merci. Alors, avant, Eve, elle vous a expliqué que dans le déroulement, on allait faire une partie médias, divertissement, pop culture. On ne pensait pas que vous alliez être autant, du coup je vais prendre en fait quelqu'un et puis l'obliger à répondre à mes questions. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que, juste un peu pour expliquer, donc on va discuter un peu de toute la question du divertissement et des médias. On dit et on pense que les médias sont en fait les créateurs et ceux qui façonnent un peu la vision, les manières de penser, etc. Alors du coup, je vais vous poser une question toute simple et on va s'arrêter au bout de 5. Vous n'avez pas besoin de lever la main, vous pouvez juste crier, dire les noms. Est-ce que vous pouvez me citer 5 femmes noires, chanteuses ou actrices et mondialement connues? Beyoncé, Megan Good, Rihanna, Kelly Roland, Lupita, actrice, Lupita. T'as dit actrice, non? Ouais, actrice. Ah oui, bah ok. J'ai pas retenu tous les noms. On a vu Beyoncé, Rihanna, Megan Wood, Lupita Nyong'o. Ok, parfait. Avec ce qu'on a entendu, avec tout ce qu'on a pu entendre maintenant, qu'est-ce que vous remarquez dans la liste que vous venez en fait de faire? Est-ce que il y a un dénominateur commun de ces 5 femmes? Qu'est-ce que vous voyez en fait qui revient à chaque fois? Non mais c'est pas faux justement, mais elles n'ont pas les cheveux naturels. D'autres éléments de dénominateur commun par rapport à ça? Je pense qu'elle est venue beaucoup plus tard que les autres célébrités dont on a parlé. Maintenant qu'il y a un mouvement vraiment à réassumer en fait le fait d'être noire, d'être une femme noire, parce que Lupita aussi assume le fait d'être noire par sa coiffure, par son style, par beaucoup de choses. Mais on peut voir qu'il y a 10, 20 ans, c'était pas le cas. Donc ça montre qu'il y a un mouvement, une amélioration. Mais je pense que les stars qui ont vraiment émergé et sont très très célèbres en fait, c'est des femmes light skin. Et après j'ai l'impression des fois que Lupita est utilisée un peu comme excuse des gens pour dire non mais on en a une qui est foncée. Mais Kelly Roland par exemple, il n'y avait pas que la cité, elle n'était pas... Tiens. Oh merde. Ouais, alors, Kelly Roland, elle n'était pas forcément light skin et puis elle a commencé sa carrière à peu près en même temps que Beyoncé. Oui, elle a eu moins de succès, mais elle en a quand même. Et elle est un peu moins claire. Encore quand même. C'est ça. Moi, je pense pas que ce soit par rapport à Lupita Nyong'o et par exemple Beyoncé. Lupita doit se battre justement pour montrer que sa culture passe au-dessus justement des normes attendues. Et les médias, eux, ils vont avoir tendance à mettre en avant ce qui leur correspond. Donc oui, ils vont mettre en avant Beyoncé et puis Lupita en arrière. Après, si on regarde par rapport, effectivement, Lupita, elle doit se battre justement pour revendiquer sa célébrité par rapport à la couleur de sa peau. Mais il faut aussi comprendre, le problème vient, comme on l'a peut-être dit avant, justement, spécifiquement des médias et de la manière dont ils les mettent en avant. Et Beyoncé, tout comme Kelly Roland, elles ont justement, dernièrement, j'ai entendu justement qu'elles ont un effort justement pour pas accepter le fait que quand elles font des photos, les médias justement éclaircissent leur peau malgré elles. Mais effectivement, elles ont commencé leur carrière solo en même temps. Mais étonnamment, en fait, Beyoncé, c'est une des seules. En plus, elles étaient à la base des Destiny's Child, comme on les a connues, elles étaient trois.
Il s'avère que Beyoncé, c'était la seule light skin. Et Michelle, on n'a plus entendu parler à part son autre problématique. Et puis Kelly Rowland, enfin, je trouve que Kelly, elle a fait un son qui a bien marché. Et d'un coup, enfin, là, elle est toujours un peu en train de galérer. Elle est un peu là. Enfin, et je trouve qu'encore quand on parle de Kelly Rowland, on a tendance beaucoup à l'associer au fait qu'elle était Destiny's Child. Alors que Beyoncé, en fait, c'est devenu Beyoncé. Beyoncé, c'est devenu Queen Beat. Alors que Kelly Rowland, c'est la meuf qui était dans Destiny's Child, qui est une pote à Beyoncé et tout. Puis on l'associe encore énormément avec, quoi. Puis par Michel, enfin, on peut en parler. Mais voilà. Au-delà du fait de comparer Kelly Rowland et Beyoncé, si vous allez vraiment dans la rue, que vous prenez des personnes lambda, mais à coup sûr, les 5 femmes qu'elles vont vous sortir, c'est 5 femmes light skin. Et c'est sur cette question d'essayer de comprendre à travers ces 5 personnes, comprendre pourquoi en fait c'est ces 5 personnes et pourquoi c'est pas les personnes que vous avez pu dire. En venant ici, vous aviez la question du colorisme, du coup, Lupitac, Kelly Rowland, c'est facile que ça puisse ressortir, mais dans la réalité, c'est pas la même chose. Ce qui va se passer dans la réalité, c'est qu'on va avoir 5 femmes light skin. Par rapport aux médias, par rapport à la pop culture, c'est très important de comprendre pourquoi est-ce que c'est ces 5 femmes qui viennent et c'est pas, disons, 5 femmes dark skin qui viennent tout de suite. Donc, juste pour un peu remettre ça dans le contexte. Vous connaissez le groupe que Zil avait formé, Dirty Money? Ouais. Il avait 2 filles qui étaient foncées. Là, c'était lui et 2 filles qui étaient foncées. Il y a une des filles a fait une interview récemment. Malheureusement, je n'ai pas la source, mais tu peux la chercher. Pour ceux qui m'ont sur les réseaux, je vous enverrai volontiers. Elle s'appelle Kalina ou quelque chose comme ça. Elle a dit qu'un jour, elle était à un meeting avec Didi, l'autre chanteuse avec qui elle était. C'était Dawn Richards. Et elle a dit qu'un homme de la musique a dit devant elle, pas dans leur dos, devant elle. Mais Didi, pourquoi tu m'amènes ces 2 filles noires? Tu ne pouvais pas m'amener 2 filles claires? On ne va jamais vendre avec elles. Bonjour. Moi, les femmes que j'ai citées, je ne les connais pas forcément, mais je pense qu'il y a un souci aussi au niveau de l'époque qu'on a choisi. C'est-à-dire que les femmes qu'on a citées, j'ai l'impression qu'elles sont quand même assez récentes, dans le sens que c'est les années 2000. Si on retourne peut-être plus en arrière, il y a plus de couples ou de familles ou de noirs, plus dark skin qui ont été médiatisés. Je pense typiquement juste Michael Jackson à ses débuts. Je sais pas, je pense peut-être à ma famille d'abord, ou Lauryn Hill, ou le Wu-Tang qui est venu plus tard, qui était presque des dark skin. Donc c'est peut-être aussi la génération qu'on a choisie, aussi de personnes, qui fait que nous on connaît peut-être plus des personnes plus blanchies, peut-être qu'avant c'était différent, je sais pas. Ouais. Et puis aussi par rapport à ce qui a été dit, j'aimerais juste rajouter quelque chose pour l'exemple de l'époque. Je suis à la fois d'accord et pas d'accord parce qu'il faut aussi parler de l'image en soi. C'est-à-dire qu'avant il y avait énormément de noms sur lesquels on ne pouvait pas mettre du visage. Donc les artistes noirs qui se vendaient beaucoup avant, excusez-moi, il y en a beaucoup, beaucoup de la communauté blanche qui ne savaient pas qu'ils étaient noirs. Et ça aidait beaucoup aussi. Et puis c'est le fait qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient noirs que leur musique elle vendait beaucoup. Après c'est vrai que dire qu'à l'époque c'était qu'il y avait tout autant de médiatisation, c'est pas vraiment juste, mais c'est pas vraiment faux. Parce que ouais, il y avait des époques où maintenant on a la télé, on a internet, etc. etc. Mais à l'époque c'était beaucoup la radio. Et après quand tu entends une voix à la radio que tu kiffes, c'est compliqué de te dire que le mec est noir, tu vois ce que je veux dire. Tu veux dire que tu kiffes la musique et tu l'achètes. C'est pour ça que la musique noire d'ailleurs se vendait énormément. Et puis, J'aimerais juste rebondir sur les trois dernières interventions par rapport à ce qu'il a dit, par rapport à l'exposition des afro-américains avant Michael Jackson et consorts. Les gens qui étaient médiatisés, les musiciens, c'était pas de la pop, c'était pas du rap, c'était du jazz. Je pense à Oscar Peterson, Jeff Cotren, Errol Gardner, Art Tatum, et ces gens-là, comme il n'y avait pas encore cette problématique du colorisme et de la médiatisation, ils devaient ressembler aux blancs, donc se défriser les cheveux. Bon, je sais que c'est aussi c'est un autre débat en cours d'actualité, mais ils devaient se défriser les cheveux, parler comme le blanc. J'ai en tête le film de Spike Lee où Malcolm X se défrise les cheveux et autour de lui, les coiffeurs le félicitent en disant « Ah, tu ressembles à un bon petit blanc, tu vas réussir ». Et c'est exactement ça ce qu'ils faisaient à l'époque. Donc ils ne se blanchissaient pas la peau, mais ils mettaient en avant ceux qui acceptaient d'être comme les blancs, entre guillemets.
Ouais, moi je voulais juste réagir par rapport à toutes vos interventions, parce que quand j'écoute tout le monde, il y a un truc qui, enfin je sais pas vous, mais moi ça me choque un petit peu, c'est que quand on parle, enfin quand on cite des personnes à peau plus claire ou à peau foncée, on utilise, on est en Europe, on est en Suisse, et on est là, on utilise light skin, dark skin, etc. Et en fait, c'est comme si on s'imprégnait d'une mauvaise manière de la culture, par exemple, états-unienne, et qu'on la transposait ici. Et juste pour un devoir peut-être personnel, ne pas utiliser à large échelle ces mots, que ce soit dans nos discussions ou dans nos hashtags ou dans les stories, dans les médias. Je pense que déjà, c'est une première partie de la conscientisation et de se dire, bah, nous-mêmes ne reprenons pas ces stigmates et ne les transposons pas à notre réalité. Parce qu'en fait, ce qui rend notre peau plus claire ou plus foncée, c'est l'Afrique de base. Quand je dis l'Afrique, ça peut être la diaspora et les Caraïbes, l'Amérique du Sud, enfin partout où il y a de la mélanine, si je puis dire. Donc, utiliser ces termes et les répondre pour faire cette distinction entre nous-mêmes, c'est pas utile. Parce que quand on cherche la transposition de light skin, dark skin, on se dit, ah, mais là, comment on le dit, bah, c'est une manière de commencer à ne plus le dire, en fait. Si on prend aussi la question, en fait, on reste concentré sur la question des médias. C'est vrai qu'on revient souvent sur les États-Unis et, comme je vous l'ai dit au début, ce qu'on a à travers les médias, c'est en fait des façonneurs, en fait, de manières de penser, de manières des idéologies complètes qui s'imprègnent fortement dans la société. Et ça, c'est les États-Unis qui ont une histoire propre aux États-Unis, où il y a eu des combats propres aux États-Unis, et l'histoire, elle n'est pas la même. Si on regarde les flux migratoires qu'on a eu en Europe et qu'on regarde par rapport à ça, si je vous pose la question au jour d'aujourd'hui, dites-moi par exemple 5 personnes médiatisées, que ce soit dans le journalisme, que ce soit là-dessus, on a beaucoup plus de complications. Et déjà là, ça nous montre quelque chose. Ça veut dire que le développement qui s'est passé aux États-Unis, il s'est fait et il y a encore des soucis. Mais ce qu'on voit en Europe, c'est un peu le reflet un peu retardé de ce qui se passe en Europe. Et en Europe, on est encore dans un cas de figure qui est bien plus compliqué. En Europe, si je vous demande, dites-moi des présentateurs télé africains, vous avez, à part Harry Roselmack, vous n'allez pas réussir à m'en sortir un. C'est impossible. Que ça soit, la question, elle est encore pire en Suisse. En Suisse, on a à peu près entre 6 et 8% de personnes d'origine afro-descendante. Aucune médiatisation, mais absolument aucune médiatisation. Ça veut dire que 8% de la population est muselée dans la question des médias, du journalisme, etc. Donc je voulais juste revenir par rapport à ça. Je voulais faire juste une remarque pour revenir en Afrique par rapport au Sénégal que je maîtrise parce que je manage une équipe dans le budget. Et je peux vous dire que nous, on a toujours eu cette image au Sénégal où dans des séries télévisées ou des théâtres, téléfilms, le gars qui a réussi, c'est celui qui a la belle maison, belle caisse et tout, avec une femme de très clair, comme femme. Même au niveau des publicités aussi, quand on fait des casse-filles, on privilégie le plus souvent des femmes au teint clair. Et il y a quand même une nouvelle tendance qui arrive ces deux dernières années où, au niveau casting, on essaie de déjà direct, nous, avec notre agence, on prend plus de femmes qui se sont éclaircies en fait la peau. Donc, parce qu'on a des sponsors qui. Voilà, côté éthique et tout ça, on a vraiment conclu ça avec eux. Il y a de nouvelles tendances ou de nouvelles séries qui arrivent où la plupart c'est vraiment une favori de force. Moi j'aimerais revenir sur la représentation des Noirs en Suisse. En fait, il y a un aspect aussi politique parce que justement les médias sont censés être contre le peuple et l'État, donc la démocratie. Et maintenant ma question c'est comment on fait pour se rendre plus visible justement? Comment on fait pour que ça n'arrive plus et qu'on n'ait pas à se dire qu'il n'y a pas assez de représentants noirs au niveau des médias, au niveau de l'État, etc. Parce que finalement, après, c'est une discussion. Mais je pense que de par nous réunir et savoir qu'en fait, on a une force tous ensemble, ça nous permet aussi d'avoir plus de confiance en nous pour se représenter et oser, en fait. Mais j'ai pas de réponse, j'ai envie de dire. Mais par contre, je tenais à dire que par rapport aux médias, si on pense par exemple aux pays latinos qui ont beaucoup de telenovelas, quand on pense à la population là-bas qui est pas la population noire, elle n'est pas minoritaire. Enfin, il y en a beaucoup. Et par contre, si vous regardez les telenovelas, la majorité des acteurs et actrices sont blancs. Et ils ont dû faire, il me semble, une loi pour en fait mettre des quotas de personnes noires parce que ça se faisait pas naturellement.
J'ai pas de réponse claire à ta question, mais elle est très intéressante. Et puis ça fait un peu le lien avec la question du potentiel. Je pense que le colorisme, alors au-delà des questions médias, représentation, qui jouent bien sûr un rôle, surtout dans une époque où on a quand même tous grandi avec la télé en principe, mais en fait, ça a vraiment des répercussions matérielles et sur la confiance en soi, ce qui fait que quand beaucoup de personnes foncées de peau vont arriver à un stade, en fait, elles auraient, si tu leur mets les mêmes capacités, chances, elles arriveraient au même niveau, mais en fait, c'est tellement, certaines arrivent tellement à être brisées, sont brisées à un stade tellement jeune, qu'en fait, tu finis à avoir que des personnes claires de peau à des postes, justement, qui vont travailler à la télé, qui vont être dans les universités, etc. Du coup, le colorisme, il se reproduit, mais je crois qu'en fait, il se reproduit bien avant. C'est pas la sélection ou à l'emploi, c'est qu'en fait, les gens qui arrivent afrodescendants à l'emploi, tu vas à l'université, en fait, tu vois déjà, il y a plus de femmes métisses, et je dis bien femmes, parce que les hommes noirs sont déjà criminalisés dès le début. Donc, en fait, tu as tous ces trucs qui se jouent tellement plus avant. Et après, en fait, t'es un peu à la conséquence, quoi, en termes de représentation, mais c'est vraiment le point de l'iceberg, quoi. Être là où on ne nous attend pas et viser le plus haut, et c'est comme ça que les plus jeunes que nous, vont nous voir et vont dire « Ah, mais en fait, c'est possible, un homme noir qui est prof, ou un homme noir qui fait ci, ou un homme noir, une femme noire qui fait ça, et moi aussi, je peux y arriver. » En fait, rien qu'en voyant, on n'a pas besoin de discours, rien qu'en voyant, les enfants, ils savent qu'ils peuvent y arriver parce qu'ils s'identifient, en fait, à nous. Moi, par exemple, à l'école suisse, enfin, j'ai pas eu de professeur de couleur français ou comme ça. On s'identifie pas, on se dit pas, ah, moi aussi je peux y arriver parce que c'est pas nous. On se voit pas en cette personne-là, alors que les autres, oui. Donc nous, en étant là où on nous attend pas, ça avancera à petit pas, mais ça avancera, je pense. Par exemple, moi je fais une formation pour devenir enseignante. Et un jour j'étais en stage et j'avais une petite fille, donc de couleur noire, elle était éthiopienne. Et puis au tout début, quand elle m'a vue déjà, elle était assez stressée. Parce que les autres disaient, oh, il y a ta maman et tout. La pauvre, vraiment au début, elle disait, non, c'est pas ma maman, etc. Et tout. Donc j'ai dû aller vers elle, la rassurer, etc. Puis après, tout le long du stage, elle venait tout le temps, elle mettait sa main à côté de moi. Ah, on a la même couleur de peau. Elle venait, enfin, quand elle avait rattaché ses cheveux à la piscine, elle venait automatiquement vers moi. Enfin, plein de choses. Et vraiment, je pense déjà, surtout les filles, moi, en tout cas, j'étais femme de ma maîtresse. Donc quand on est petite, notre maîtresse est l'exemple, c'est ma maîtresse. Et le fait d'avoir par exemple une enseignante noire, on est d'autant plus contente, on se sent représentée. Enfin, moi, j'en ai discuté durant mon stage, par exemple, les livres qu'il y avait, il n'y avait jamais de livre avec une fille noire ou un homme noir. Donc comment, en tant qu'enfant, on peut se sentir représenté? Tout le monde autour de moi me dit, non, laisse tomber, mais non, en fait, si tu as un rêve, si tu as un objectif, tu fonces, tu le fais. Peu importe ce que les gens vont te dire. J'ai eu plein de problèmes durant le stage, mais c'est pas grave, je force, parce que justement, j'aimerais que un jour, une petite fille se dit « Ah, ma maîtresse est noire, pourquoi moi je ne peux pas être aussi prof ?» Peu importe le rêve qu'on a, peu importe dans quel domaine on veut le faire, on le fait et puis on pense aux enfants qui arrivent, à nos petits frères et sœurs. Et puis... Moi, j'ai juste un remarque par rapport à ce qui vient d'être dit. Je pense qu'il ne faudrait pas, bon, c'est pas trop dans le domaine du coloris, mais je pense qu'il ne faudrait pas être trop dur avec nous-mêmes, il faudrait peut-être essayer de sortir de ces complexes-là. Dans le sens où, c'est mon expérience personnelle, ma mère, elle arrive en Suisse et je suis un immigré de deuxième génération. Donc parmi tous ceux qui sont ici, je ne sais pas combien d'entre vous ont des parents qui sont nés ici. Et sachant à quel point il est difficile de pouvoir immigrer, s'intégrer pour pouvoir accéder aux plus hautes, aux plus hautes sphères de la société, c'est quelque chose de très très difficile. Et c'est quelque part normal aussi que actuellement, on est pour la plupart d'entre nous immigrés de deuxième génération. On n'est pas encore, on va dire, d'exemple des personnes qui ont réussi dans leur vie. Parce que finalement, c'était déjà très difficile pour nos parents de pouvoir arriver ici en Suisse et de pouvoir juste avoir de quoi pouvoir survivre, en fait. Donc c'est juste une remarque pour un peu expliquer pourquoi aussi la représentation est peut-être aujourd'hui aussi faible. Alors quand on immigre, à part si on a la chance de pouvoir émigrer avec quelqu'un de couleur ou trouver une communauté africaine ici pour pouvoir se marier avec quelqu'un de couleur, on va épouser peut-être quelqu'un qu'on trouve ici, qui nous correspond, et du coup on va avoir des enfants métis. Si on voit au niveau démographique, avec les mouvements de la population, on va de toute manière arriver dans un monde où on est de plus en plus métis, et du coup le colorisme sera de plus en plus présent, malheureusement si ça continue comme ça, et du coup il faut, je pense, lutter contre ça. Mais je pense qu'au final, on va tous
être de, donc, d'une communauté de plus en plus métisse, et ça va très bien se passer, enfin, j'espère, parce que sinon, c'est vachement triste. Moi, je pense qu'il y a aussi une fétichisation de l'enfant métisse, parce que actuellement, je pense pas qu'il y ait vraiment plus d'enfants métisses que d'enfants noirs ou autres. Il y a vraiment une forte fétichisation, autant sur les réseaux. Une maman qui a un enfant métisse, elle va toujours mettre en avant son enfant métisse parce qu'elle sait que c'est ce qui plaît aussi et ce qui attire les likes, etc. Et du coup, ça aussi, je pense que c'est une des raisons de ce que tu penses. On se dénigre entre nous. Ça fait partie de ce processus du divide and rule qui a été mis en place justement au moment de la colonisation des esclavagismes, où le fait qu'on ait déjà des tensions entre nous, ça fait que le dominant, donc l'homme blanc, peut plus facilement nous gérer, parce que si on ne s'entend pas déjà entre nous, ben, eux peuvent avoir encore plus facilement la mainmise sur nous. Donc c'est vrai que c'est un travail qu'on doit faire entre nous déjà pour essayer de casser tous ces stéréotypes et toutes ces barrières et toutes ces différences du fait qu'on soit dark skin ou light skin. Et une fois qu'on aura une entente entre nous, là justement on pourra avancer plus loin. Mais c'est juste que là, le colorisme n'est pas venu de nulle part. On ne l'a pas créé nous, il est venu du dessus. Et ça fait vraiment partie de ce processus-là de diviser pour mieux régner. Tant qu'on reste divisé entre nous, le dominant va toujours mieux régner. Et c'est pour ça qu'on a encore tous ces problèmes-là. Après, c'est structurel, mais je ne vais pas aller en détail parce qu'on pourrait passer des heures dessus. Mais il y a déjà ce truc-là où le fait qu'on ne s'entend pas entre nous, et qu'on se discrimine sur le fait que t'es clair de peau, je suis plus français quoi, du coup voilà, t'es plus jolie ou t'es moins jolie, enfin tout ça, ça rentre aussi dans ce processus-là où en fait on vit dans un bon patriarcat en fait. Quoi. Je pense que c'est un faux combat de vouloir s'intégrer. Je m'explique. Dans le travail social, on fait la différence entre l'intégration et l'inclusion, en fait. Le fait de s'intégrer, ça veut dire que tu t'assimiles, en fait, tu changes pour pouvoir t'intégrer à un groupe. Mais l'inclusion, c'est que le groupe t'accepte comme t'es. Moi, pour moi, plus je grandis, plus je réfléchis à cette question, je me dis, c'est aberrant quand même que je dois me justifier parce que je suis noir. Ça n'a pas de sens. Et puis... dans le discours de la sœur, j'ai entendu elle dire que ça vient du dessus. Qui est au-dessus de moi finalement? C'est quoi, tu vois, dans... Ouais. Finalement, il y a justement une hiérarchie raciale qui a été mise en place. Il y a même un Suisse, qui a un vote, il y a l'université de Genève qui a même un nom, qui a en fait hiérarchisé les races et qu'en fait l'homme blanc se trouvait tout au-dessus de la hiérarchie. Donc pour arriver dans un stade de civilisation, c'était ça, et la femme noire tout en bas. Et en fait c'était tu régules un peu du plus civilisé au plus sauvage. Et c'est comme ça qu'en fait cette hiérarchie a été faite. Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, on se trouve dans des sphères où tu vas plus facilement trouver des hommes blancs dans des places de pouvoir que tu vas trouver, par exemple, des hommes noirs ou des personnes de couleur dans des places de pouvoir. Parce qu'on est dans un monde qui a été façonné, conçu par et pour l'homme blanc, hétéro, cisgenre, enfin, tout ce que tu veux. C'est vrai. Mais je tiens quand même à dire, vous êtes belle, on est beau, moi je vous regarde. J'ai pas à me sentir supérieur face à une race ou inférieur justement, mais qu'on m'accepte tel que je suis, en fait, j'ai pas à m'intégrer, je suis comme je suis. En fait, je pense qu'au bout d'un moment, nous les Noirs, on se donne le bâton pour se faire mal. Dans le sens que, quand, par exemple, on est tous réunis, mais si on se croise dans la rue, déjà devant, on va se regarder. Parce que c'est quelque chose qu'on fait tous. T'avais quelque chose, quelque part, tu vois ta soeur noire, tu la regardes mal. Ça, c'est déjà quelque chose qui n'est pas normal. Même par exemple au travail, j'ai des collègues qui sont africains. On leur demande, est-ce que tu sors avec des noirs? Non, pourquoi je ne sors pas avec des noirs? Je vais sortir avec une blanche, parce que c'est comme ça. Donc déjà, il faut commencer par nous-mêmes en fait. Parce qu'il y a quelque chose qui ne joue pas. On se dénigre trop devant les autres. C'est pour revenir sur ce que la sœur avait dit par rapport aux institutions qui sont un peu plus que vous, qui vous dénigrent. En fait, je veux juste raconter l'histoire de mon oncle qui a vécu une histoire donc, à l'université de Lausanne il y a 40 ans de cela, je crois. Qui faisait un diplôme en économie et qui justement
avait des notes moyennes lors de sa première année, mais lors de ses deux dernières années, les trois dernières années, il y en a raté une, avait des bonnes notes et était justement passé avec mention, comme il disait. Et à ce moment-là, justement, son prof est venu vers lui et l'a dit, Camille, t'es quelqu'un de très intégré, t'es intégré au sein de la société, t'es intégré au sein de tes amis, t'as des amis blancs, ils squattent un peu partout, etc. Et on lui a sorti la phrase qui va tuer, en fait, c'est que tout ce qui te reste pour que tu sois vraiment intégré en Suisse, c'est que tu te trouves une femme blanche. Donc son prof lui a dit ça. Il adore raconter cette histoire parce que c'est vraiment mal. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, qu'il s'est posé la question, parce que c'est quelqu'un, c'est une personne qui vraiment, c'est une tête, qui est un peu révoltée par tout ce qui est racisme, etc., qui vit aujourd'hui aux États-Unis. Mais c'est quelqu'un qui, lorsqu'on lui a sorti ça, il est parti du pays, il a quitté le pays. Il n'a pas fait, un an, il a quitté le pays, il est parti aux États-Unis. Il a décidé de tout recommencer pour justement trouver sa femme noire, s'intégrer, créer sa propre structure. Et heureusement, il a réussi. Mais c'est juste pour dire que c'est pas les structures qui sont au-dessus de nous qui vont nous rabaisser. C'est clair, comme plusieurs personnes l'ont dit, on doit se faire accepter, voire même on doit s'imposer. C'est en créant des structures, c'est en éduquant nos enfants, en éduquant les plus petits, nos amis, etc., etc., que justement on va pouvoir s'imposer et créer une demande, créer une offre, créer une demande, créer des produits pour nous, se faire représenter correctement. Je sais pas comment expliquer avec des mots corrects, mais on va le dire comme je pense, mais on se pointe quelque part. Désolé, on se pointe quelque part, on ne veut pas passer comme si on était un inconnu, comme si on ne nous voyait pas. On est quand même des êtres humains. On n'est pas des gens, des sous-personnes ou je sais pas quoi. On est là, on veut se faire représenter. Donc franchement, vous tous, excusez-moi, on tient le micro. Franchement, pour moi, rien qu'une réunion comme ça, c'est le fait que vous acceptez que vous voulez vous faire représenter, que vous voulez faire quelque chose pour vous, vos futurs et vos anciens. Je ne vais pas me jeter en peinture, mais je trouve même que le problème vient des réseaux sociaux. Depuis quelques années, beaucoup, enfin, des descendants d'Africains, font l'apologie des femmes noires et du teint foncé, au point en fait d'avoir paradoxalement tué en fait ce combat, parce que à force de mettre la peau noire en fait, la peau foncée en avant, en fait on expose le premier regard que les créateurs du colorisme voulaient véhiculer. En fait, j'ai remarqué que les femmes qui étaient exposées dans une communauté qui avait le teint foncé étaient obligées, avaient un seul critère, elles étaient foncées, mais elles devaient être dénudées, elles devaient être... Mais le problème c'est qu'en fait, à force de faire l'apologie de ces femmes-là, on est en train d'exposer l'image de ce pourquoi elles se battent. Le fait c'est que ces femmes-là, en fait, elles sont intéressantes que par leur corps. Et pour les hommes, c'est la même chose pour les hommes français. J'ai des témoignages avec des sœurs noires autour de moi, elles m'ont toujours dit « Ouais, moi, je préfère les hommes français parce que je vais un vrai mec qui regarde encore les mecs clairs, c'est n'importe quoi. » Et j'ai toujours trouvé ça scandaleux, je les ai toujours vilipendés parce que je me dis « Mais en fait, vous êtes en train de donner raison aux lyncheurs de noirs parce que les hommes français étaient les hommes, entre guillemets, plus virils, plus dangereux. » Et en fait, elles sont en train d'embrasser cette idéologie en croyant qu'elles sont en train de combattre et de mettre en exergue les hommes français. C'est bien comme le sujet qu'il vient d'annoncer, c'est un peu de quoi on va parler. Donc on retourne un peu sur le colorisme, donc c'est un peu éparpillé. En fait, nous, notre thème, c'était qu'on voulait parler du colorisme d'un point de vue masculin. Mais quand on a vu un peu le monde et qu'on voit aussi qu'on n'a pas aussi, que le phénomène surtout, il touche pas que les hommes et qu'il est un peu le même chez les femmes, on s'est dit on va intégrer un peu les deux, du coup on change un peu. On va en discuter. Je disais. Du coup, et ce phénomène, on a remarqué que ça touche aussi les femmes, clairement. Donc nous aussi en tant qu'hommes, la manière dont on regarde les femmes, on a commencé à les regarder aussi selon leur couleur de peau. Donc si elle était claire, elle était belle. Si elle était plus foncée, elle était moins belle. Donc voilà, c'était un peu ça. Et du coup, nous, on aurait voulu savoir un peu quelles sont vos expériences personnelles, comment vous avez vraiment vécu le colorisme en termes de beauté. Si j'ai bien compris, le colorisme serait le racisme entre dans la communauté.
ça veut dire une perception à l'intérieur de la communauté. C'est ce que j'ai vécu, je vis ça assez en Haïti, où on est censé avoir une population noire, mais comme il y a des... c'est une population qui a 90% noire, et puis c'est vrai qu'il y a cette différence entre les gens plus clairs et les gens moins clairs, plus foncés. Mais ce qui est impressionnant, c'est de se rendre compte que, comme vous avez parlé de cette idéologie qui est ancrée, qui fait que même les Noirs, j'entends, c'est eux qui se... Et c'est eux qui médisent, j'entends, de leur couleur, de leurs traits caractéristiques. Alors c'est difficile. C'est difficile parce que lui, il a dit quelque chose qui est très important. Comment être juste soi? Ça veut dire ne pas porter un combat. On n'est pas obligé, si vous voulez, de dire, moi, je dois être en Suisse et... je ne sais pas, représenter les Noirs. Oui, c'est lourd, c'est lourd. On peut juste être soi et vivre sa vie. On pourrait se contenter de ça. Mais c'est comme si on est condamné quelque part à mener un combat qu'on n'a pas choisi. Et puis, en même temps, je vous ai écouté, mais quand on rencontre, moi j'ai épousé une femme blanche. Et... non, mais c'est vrai. Quand on rencontre quelqu'un, on ne se dit pas qu'il est noir ou qu'il n'est pas noir. Hein? On épouse, on rencontre quelqu'un, on se dit pas, ouais, mais c'est une blanche, elle est noire, elle n'est pas noire. Ça veut dire qu'à un certain moment, on dépasse ça. Et cette histoire de beauté, parce que je reviens à ça, c'est une catégorie. Ça veut dire pourquoi être aussi, parce que c'est déjà une appréciation. Ça veut dire si on peut sortir des appréciations et qualitatives, ça veut dire juste sur la couleur. Ça veut dire on est juste noir, on est blanc, mais on n'est pas laid, parce que quand on dit beau, on dit aussi laid quelque part. Et puis c'est là que ça vient. C'est là que tout à coup, on est. C'est un terme en fait comparatif, même s'il n'a pas l'air. Et puis du coup, si vous voulez, ça veut dire que c'est très très difficile. Moi, je vous ai écouté parce que après, il y a la compétence. Il y a quelqu'un qui a parlé vraiment être là où on ne nous attend pas. Moi, je suis prof. Je suis prof, j'ai fait de l'université à Genève. Mais ce qui a été impressionnant, c'est quand est-ce que vous avez la présomption de la compétence? Ça veut dire des fois, ce n'est pas juste cette compétence, c'est que vous devez être présumé compétent au départ. Quand vous allez chercher un travail, vous n'avez pas encore de travail. Mais est-ce qu'on pense que vous êtes compétent? Et puis là, très souvent, cette histoire de couleur, ça joue. Ça veut dire que ce n'est pas à notre avantage. C'est comme si, en fait, dans mon travail, tu dois presque dire que si tu travailles bien, tu travailles pour tout le monde. Parce que les autres qui vont venir, les autres blacks qui vont venir, ils vont dire, si ça se passe mal, ils vont dire, ah, mais on en a déjà eu un, ça s'est mal passé. Alors que ça ne devrait pas, il ne devrait pas y avoir de rapport. Alors c'est pour ça que je dis, ça c'est lourd. Alors je vous souhaite du courage, je vous souhaite bonne chance. Et en fait, et je ne sais pas s'il y a des métisses et des femmes noires, parce que ça va venir dans le sujet qui se retrouve là-dedans. En fait, quand tu grandis comme métisse dans une communauté très blanche, par exemple, y a des parents qui sont divorcés, moi j'étais élevée par une mère blanche dans une communauté très blanche, clairement tu vis du racisme. Et là, c'est pas une question de t'es clair, t'es foncé, t'es noir, et t'es noir avec les Sri Lankais aussi du village, parce que là, pour le coup, c'est vraiment question de mélanine, quoi. C'est, vous êtes les noirs, peu importe Afrique, machin. Et après, t'arrives à l'adolescence, et il y a quand même Génération Hip-Hop qui, en tout cas, m'a hyper marquée, où en effet, t'as un peu cette image salvatrice de voir des femmes noires et tu regardes pas, tu vois pas qu'elles sont claires, foncées, et pour le coup, tu dis, putain, il y a des femmes en fait qui me ressemblent. Il se trouve que c'était des Beyoncé, des machins, etc. Et après, t'as des hommes blancs qui t'ont pas forcément validé parce qu'ils te voyaient comme noir, et t'as la validation des hommes noirs. Et ça, encore une fois, c'est en tant que métisse. Après, tu grandis, tu commences à conscientiser. Et surtout, le truc, c'est que tu te rends compte à quel point cette concurrence-là, dans des systèmes hétéro, machin, etc., qu'en fait, en tant que femme métisse, tu te sentais valorisée par des hommes noirs par rapport aux autres. Donc, tu étais « Ah, tout trop bien !» Tu avais l'impression que c'était une lutte antiraciste. Mais en fait, en même temps, c'était aussi « Ouais, mais en fait, toi, t'es bien par rapport à la sœur noire, là, machin, machin. » Mais ça, en fait, quand tu grandis, que t'es ado, que toi-même, t'essayes un peu de sortir du truc racisme, franchement, et moi je sais la première, on a fait tellement de mal en fait à des amis foncés de peau, c'est la concurrence. T'allais en soirée, tu savais que toi, la meuf claire de peau, t'allais choper un peu plus ou moins le Renoir que tu voulais, tandis que ta pote foncée de peau, c'était un peu plus galère. Et il y avait même des fois des gens, si elle chopait, t'es là, quoi ? Bah attends, tu vois, et ça c'est les trucs que franchement entre nous, non mais c'est à ce niveau-là que ça se jouait entre femmes métisses et femmes noires en fait. C'était vraiment, moi je trouvais, c'était vraiment dans le game un peu de la séduction, hétéro machin,
comment, en fait, d'un côté, voilà, t'avais ce regard positif de l'homme noir qui nous a valorisé. Franchement, moi, je dirais toujours, si je suis bien dans mes baskets, je le dois aux hommes noirs qui m'ont valorisé, mais malheureusement, m'ont valorisé comme une femme claire de peau et métisse, et non pas comme une femme noire. Et d'ailleurs, quand il y a trop d'africanité qui sort, c'est là, en fait, je tenais à dire merci, parce que c'est exactement la même expérience que j'ai vécue, et je pense que beaucoup de femmes métisses en tout cas peuvent le partager. C'est qu'au début, quand on traîne qu'avec des gens blancs, on sent la moche du groupe. C'est nos potes qui ont plus de succès. Et au final, à un moment, tout d'un coup, il y a eu la mode des métisses auprès des noirs, auprès des blancs, et tout d'un coup, on est content parce qu'on se dit, on est là, on existe. Et après, on se rend compte qu'en fait, il y a un problème derrière. Maintenant, on le vit mal. Donc, s'il vous plaît, tamisez ça. Quand vous êtes mis avec votre épouse, ben, vous n'avez pas pensé, elle est noire, elle est blanche. Et c'est très bien, sauf que la raison pour laquelle on a parlé, les deux témoignages qui viennent de sortir et reprennent ça, c'est que peut-être vous, vous n'y avez pas pensé. Mais nous, on sait aujourd'hui que quand des hommes nous abordent, ils y pensent. Et c'est calculé. Donc elles l'ont dit, elles savent que quand certains hommes les ont choisis, c'est parce qu'elles avaient, pour certains hommes, c'est parce qu'elles étaient claires de peau. Moi, et je pense que beaucoup de femmes noires peuvent témoigner, moi j'ai eu des expériences où je rencontre quelqu'un, enfin quand je dis rencontrer, ça veut dire dans un cadre genre d'amitié, on est genre à un anniversaire. Et donc en fait une genre des réunions entre amis où il y a plein de gens qu'on connaît pas, comme au cours par exemple, et dans ce groupe là il y a des noirs, il y a des blancs, enfin il y a toutes sortes de personnes. Et là une fois, enfin je vais donner un exemple concret, donc il y avait un homme noir qui était là, le reste des gens il me semble qu'ils étaient blancs, et donc moi je suis pas intéressée, et lui il vient me dire ah moi j'aime pas les filles noires. Pourquoi tu me dis ça? On se connaît pas, genre on se connaît depuis 10 minutes, pourquoi tu ressens le besoin de me dire ça? Surtout que je ne l'ai pas dragué, j'ai pas fait un peu des regards, genre je suis intéressée, t'es un mec mignon, c'est vraiment, on se connaît pas, on vient de se rencontrer. Et c'est ça justement où cette conversation elle devient importante, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, je pense, rencontrent des expériences en tout cas similaires, où même sans vouloir approcher quelqu'un, cette personne elle ressent le besoin même de te repousser, de dire ah non moi j'aimerais surtout pas être associée avec toi. À partir du moment où une personne, elle va se justifier de pourquoi elle préfère les personnes claires, ça devient problématique. C'est là que les termes problématiques ressortent. Genre, ah mais oui, mais c'est parce que les noires, elles sont sauvages, c'est parce qu'elles sont comme ci, c'est parce qu'elles sont comme ça. Et c'est là que moi, par exemple, ça me dérange. Quand je vais discuter avec une personne que je fréquente ou comme ça, des fois, soit je lui demande pas, ou je lui demande pourquoi, en fait, tu ne fréquentes pas de filles noires. C'est toujours genre, oui, elle est trop sauvage. Je lui dis par exemple, et même si je veux dire, moi je suis quelqu'un qui a beaucoup de caractère par exemple, donc j'imagine que c'est ça qu'il veut dire par sauvage. Mais pourquoi moi alors tu supportes mon caractère? Ah oui, mais je supporte parce que toi t'es claire, toi t'es bien, toi t'es jolie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à partir du moment où je pense qu'on essaie de justifier ces préférences là, c'est là que ces choses problématiques. Le fait d'être claire, ça enlève la sauvagerie, je sais pas. Et ça revient à la hiérarchisation que tu citais, du moins sauvage au plus sauvage. Je pense que c'est un héritage direct de ça et on se rend pas compte et on a intériorisé ça en fait. Dès qu'on a abordé le sujet de la représentation du colorisme par rapport du point de vue masculin, c'est surtout des femmes beaucoup plus claires qui ont pris la parole en premier, comme si nous qui sommes beaucoup plus foncés, on s'est automatiquement en fait mise en arrière. Et c'est ce qui se passe du point de vue masculin en fait, c'est tout le temps comme ça. Et parfois, en plus en fait des remarques qu'on reçoit des hommes, il y a aussi le fait que nous-mêmes personnellement, on se dénigre, on n'ose pas forcément faire les choses, on n'ose pas forcément prendre les devants. Très clairement, j'ai eu des copines qui m'ont clairement très souvent fait comprendre « Oui, toi, tu n'auras jamais de copain parce que tu es trop noire. Toi, tu ne pourras jamais être acceptée là parce que tu es trop noire. » Et c'est souvent, en fait, les femmes noires elles-mêmes qui, en fait, se rabaissent. Et ce qui fait que, parfois même du point de vue masculin, parce qu'on a tendance, en fait, à diaboliser un petit peu les hommes. Oui, vous aimez pas la femme noire. Ça, c'est un autre débat. Déjà, nous-mêmes, on s'aime pas assez, on ne se met pas assez en avant. Et si on prend le cas, par exemple, des réseaux sociaux, vous verrez que la plupart des femmes noires foncées, quand elles vont vouloir
sortir un peu, se voir beaucoup plus, elles vont se déshabiller, elles vont enlever à chaque fois une couche. Alors que les femmes qui sont claires, elles n'auront pas besoin de faire ça. Et je pense que le problème, avant de se baser du point de vue masculin, il faut que nous-mêmes, on ait, en tant que femmes noires, foncées, on ait beaucoup plus d'estime de nous-mêmes, parce qu'il faut qu'on comprenne en fait qu'en tant que noires foncées, on est beaucoup plus qu'une paire de fesses, on est beaucoup plus qu'une paire de seins, on est beaucoup plus qu'un corps en forme de 8. On vaut beaucoup mieux que ça, parce qu'en fait, chez les femmes claires, c'est pas ce qu'on cherche. On se dit pas, oh oui, elle a des belles fesses, alors elle est jolie. On se dit juste, elle est claire, alors elle est jolie. Du coup, on n'a pas, comme quelqu'un a dit avant, on n'a pas à s'intégrer. Il faut qu'on nous accepte, et c'est comme ça. Et je pense qu'avant de voir le problème du point de vue des masculins, il faut qu'on le voit en nous-mêmes. Enfin, vous êtes foncés, vous êtes belles quand même. Enfin, je veux dire, ça va très bien. Je disais par rapport aux femmes métisses qui ont entre guillemets plus de facilité pour choper. Oui, et non. Dans le contexte. Dans le contexte. Ah, si, en fait, j'ai aussi remarqué également que c'était pas aussi vis-à-vis de la couleur de peau. Enfin, typiquement, je mets beaucoup de perruques, tissage, des trucs comme ça, et j'avoue, il y a plus de. Enfin, la jante masculine qui vient m'aborder, et dès que je mets un afro, si on vient m'aborder, c'est pour dire est-ce que je peux toucher tes cheveux, tu vois. Et ouais, j'ai l'impression aussi que c'est pas aussi une question de teint, c'est aussi une question de trait, si je peux dire ça. Enfin, un nombre de fois on m'a dit ah, t'es très jolie pour une métisse, mais ton nez ou tes cheveux, enfin, j'ai l'impression qu'il y a toujours quelque chose qui va pas. Et voilà, enfin, c'était juste pour rejoindre ce que tu disais. J'ai l'impression que dès que je m'assume un peu, dès que je porte mon afro, tu chopes orange. Voilà. Merci. Et ben, personnellement, l'afro, bon, là, il est petit, je sais pas coiffer, mais enfin, toute mon enfance, j'ai toujours entendu, ben, en fait, c'est sale, quoi. Enfin, mais de la part de mon père qui est noir, de tous ses copains, de toutes les parties, ouais, tous les afrodescendants de mon entourage en fait. Et le truc c'est que je peux rien faire d'autre avec parce que je supporte rien. Et même mon ambassade, quand j'ai voulu renouveler mon passeport, ils m'ont dit mais c'est quoi ça madame? On aurait dit un garçon, tu peux pas. Genre, tu peux pas être nigériane, tu fais quelque chose quoi. C'est pas propre. Et ça c'était il y a 2 ans. Et du coup, ben, c'est vrai que les traits en fait, ça va... Ouais. Au-delà de la couleur, tous les traits qui ramènent justement au stéréotype noir, que ce soit l'épaisseur des lèvres, les cheveux crépus, ben c'est pas accepté. Puis il y a une histoire en France actuellement avec, enfin, c'est vraiment plus un truc d'actualité quoi, sur une, je sais plus si c'est une ministre ou une députée, porte-parole, voilà, du gouvernement français qui a, voilà. C'est assez drôle de rebondir sur ce que tu viens de dire. Sur moi, il y a aussi un problème un peu d'éducation, en fait, dans tout ça. Dans le sens où moi, je suis une amie. Moi, je suis une fille, en été, j'aime bien laisser mes cheveux tout en naturel, et en hiver, bah, protection, machin, je fais des coiffures. Et j'ai une amie, elle assume pas du tout ses cheveux, alors qu'elle a des beaux cheveux. Et je lui dis, mais pourquoi tu restes pas avec tes cheveux naturels? Et elle me dit toujours, ouais, mais ma mère, elle m'a dit, quand j'ai mes cheveux comme ça, je suis pas coiffée. Genre en mode, c'est pas genre quand t'as brossé et tout, t'es pas coiffé en fait. Faut que tu fasses tes tresses, faut que tu fasses un tissage, sinon t'es pas coiffé, tu peux pas sortir, t'es pas présentable. Et je pense que ça aussi, ça joue beaucoup. T'es là, enfin, tes cheveux en vrai, tu fais ta tâche, tu fais un chignon, enfin, tes cheveux ils sont. Tu peux te promener comme ça. Mais les gens, pour les gens, non, t'es pas coiffé, il manque un truc. Et je pense que ça joue beaucoup aussi sur. Ben, ça favorise tout ce qui est. Les cheveux lisses, toujours mettre tes tissages, faire tes tresses, hein, pas se montrer comme on est en fait. Puis après, limite, t'as les cheveux crépus, c'est choquant. Moi, je me prenais avec les cheveux, waouh, je savais pas que vous aviez tes cheveux, hein, je croyais qu'il y avait rien. C'est comme ça. Enfin. Et je pense au jour où j'aurai mon enfant en fait. Je me dis, mais imaginons, j'ai une fille black ou une fille métisse. Ah, excusez-moi, j'ai dit black. Imaginons, franchement, ça me fait peur parce que je pense aussi à ce que j'ai avec ma soeur. Donc, imaginons, j'ai une fille noire. Donc, elle peut être dark skin, light skin, comme on dit le terme qu'on ne veut pas dire, je suis d'accord, mais elle peut être foncé. Il y a des enfants qui peuvent subir des dépressions, qui peuvent subir vraiment des traumatismes par rapport à ça. C'est quelle et qui, imaginons, elle serait née à mon époque où beaucoup de femmes noires ont vraiment souffert par rapport à ça. Qui aurait pu être son exemple pour lui faire comprendre que peu importe comment tu es belle. Et c'est ça qui me fait peur parce que
mes parents, mes oncles, ils perpétuent ça auprès de leurs enfants. J'ai des cousins qui se disent qu'ils ne veulent pas se mettre avec une femme noire, ou qu'ils ne veulent même pas se mettre avec une femme métisse ou qui a une afro-descendance. Tout simplement parce qu'on lui a inculqué dans la tête comme quoi, écoute, tout ce qui est afro, c'est pas beau, c'est pas bien, c'est mauvais. Et c'est des parents noirs qui lui ont inculqué ça. Donc je ne vous cache pas que ça me fait peur, parce que si maintenant à l'école j'envoie ma petite, j'envoie mon enfant, une femme noire, qu'elle se fait descendre comme ça et qu'elle revient en dépression, il y a des enfants qui peuvent se suicider par rapport à ça. Et moi personnellement ça me fait peur. C'est pour ça que je pense que lorsqu'on aura nos enfants, lorsqu'on peut conseiller quelqu'un par rapport à ça, il faut vraiment conseiller par rapport à l'acceptation. On est tous noirs, on est tous blancs, on est tous métis, on est tous. Mais il faut vraiment qu'on puisse l'accepter rien qu'envers nous. Et si un gars vous dit, excusez-moi les femmes, si un gars vous dit vous êtes belle pour une métisse, vous êtes belle pour une noire, mais chifflez-le, franchement, chifflez-le. Moi je viens d'un pays, donc la République dominicaine, où c'est très ancré là-bas que justement si tu laisses tes cheveux naturels, tes cheveux afro, t'es pas coiffée. Là-bas les femmes, elles passent leur journée au salon à se défriser, à se lisser. Et moi quand je vais dans mon pays, je laisse mes cheveux naturels, je suis pas coiffée, je suis pas belle. J'y suis allée là il y a 2 mois, je me laissais les cheveux comme ça, mes cousines, mes oncles, ah pourquoi tu laisses, t'es pas belle, tu veux pas aller au salon, tu veux pas que je te paye le salon. Et des fois j'ai attaché, ou j'ai mis un postiche, là j'étais belle. Et aussi j'ai un exemple plus personnel, avec des personnes ou des hommes comme ça. Par exemple, si justement j'ai un postiche ou j'ai les cheveux retirés, ou comme ça, j'ai déjà un autre type d'homme qui vient m'aborder plus, par exemple des blancs, ou des arabes ou autres, alors que quand j'ai des cheveux naturels, moi c'est plus des noirs qui viennent m'aborder. Ensuite, une fois j'ai même eu une remarque où j'avais les cheveux attachés avec une queue de cheval lisse, et on m'a dit, ah c'est dommage, parce que si t'avais toujours les cheveux comme ça, t'aurais l'air d'une vraie latina. Donc une vraie latina, c'est-à-dire qu'une latina noire ou métisse comme moi, c'est pas une vraie latina. Voilà, c'est tout. Si on laisse notre touffe afro, etc. et tout, ça veut dire qu'on s'assume. Mais ça, je suis pas d'accord. Ça veut dire que si je veux faire des tresses, je fais des tresses. Si je veux faire un tissage, je fais un tissage. Si je veux mettre une perruque, je mets une perruque. Si je veux laisser ma touffe afro, je fais afro. Faites arrêter tout le temps de vous dire que, enfin, pas forcément nous ici, mais tout le monde. Ça veut dire que dès que je vais mettre du wax, enfin wax, pour, comme vous dites, ah elle s'assume, c'est bon, elle est africaine, etc. et tout. Dès que je vais mettre ma touffe afro, ah elle s'assume. Ça tourne pas. Enfin, ça tourne pas autour de nos cheveux, autour de tout ça. Enfin. Maintenant, on est dans une génération où la plupart des filles, elles en laissent leur touffe afro ou curlière, peu importe. Je pense que c'est juste la mode. C'est que ça a aidé certaines personnes à s'assumer peut-être, mais c'est la mode. Mais c'est pas pour autant que aujourd'hui moi, parce que c'est la mode, bah, je vais me trimballer avec ma touffe afro tout le temps pour se dire « Ah, je m'assume ». Non, là, aujourd'hui, j'ai pas une touffe afro, mais je m'assume quand même. Donc ça, c'est un truc juste qui me dérange, parce que j'ai l'impression que si on n'a pas nos cheveux naturels, c'est qu'on s'assume pas. Enfin, non, moi... Mais c'est la même problématique aussi, le fait d'aimer la couleur claire, la peau claire, ouais. Les cheveux, exactement. C'est tout venu en même temps aussi. C'est, donc là, je pense que le fait de mettre une perruque, je ne dis pas de ne pas mettre une perruque, hein, mais c'est aussi dans la même lignée que le d'être clair de peau, d'être foncé de peau, et puis de toute cette oppression qui fait qu'on cache nos cheveux aussi. Moi je pense que ce qu'on devrait laisser aux gens, c'est l'option. C'est ça. Et en fait, avant il n'y avait pas forcément l'option d'avoir des cheveux afro. C'est ça. Et maintenant on a cette option et on assume ce qui est nécessaire. Mais il faut qu'on reste savoir que c'est une option comme une autre et exactement. La femme a fait ce qu'elle veut. Exactement, c'est vraiment ça. Et mais il y a quand même une différence entre les personnes où on se parle nous-mêmes et on sait que pour les raisons pour lesquelles on fait. Une femme qui fait ce qu'elle veut avec les cheveux mais qui sait qu'elle ne le fait pas en mode parce qu'en fait elle a la honte de ses cheveux ou parce que machin. C'est différent d'une femme qui porte des tissages, voilà. Tu vois, et qui vraiment est là en mode j'ai honte, je peux pas, qui ose pas sortir, etc. Pareil avec le maquillage. Donc c'est moi ça. Je dis, cette thématique du cheveu, clairement on n'est pas dans le shaming, dans le machin, mais il y a quand même une réalité qui... Mais il faut faire la beaucoup, différence. C'est ça, c'est juste faire ça. La différence entre les femmes, et malheureusement il y en a quand même beaucoup, on va tout faire. Ouais. Qui d'ailleurs ne cachent jamais leurs cheveux, leurs propres ouais, cheveux. Voilà, mais on peut... Je veux dire, si tu les portes une fois, et puis l'autre fois t'as une perruque, ou l'autre fois t'as ça, à la limite... Ouais, mais c'est... juste pour rappeler qu'on peut être une femme noire, s'assumer, aimer nos origines, et mettre des cheveux lisses ou bouclés ou des tresses. Juste rappeler ça. Et puis deuxième chose, donc pour enfin revenir par rapport au fait ce qu'on cherchait par rapport à la beauté d'une femme noire, là c'est pas par rapport aux hommes mais plutôt par rapport aux femmes. J'ai 2 exemples. Donc c'est qu'une fois je devais passer à la caméra et puis j'ai mis un pantalon jeans foncé et puis un haut noir. Et donc après que la caméra à la fin, ma formatrice est venue vers moi, elle m'a dit que oui, que quand même vu que j'ai déjà les cheveux noirs
Donc là, j'avais mes cheveux, à mes propres cheveux. Vu que je suis de couleur de peau noire, je ne devais pas mettre des habits foncés. Parce que du coup, je passais moins bien à la caméra. Puis après, elle essayait de se rattraper. Parce que, mais oui, la couleur te va tellement. Tu as une personnalité rayonnante. Et puis quand tu. Quand on te connaît, tu es un rayon de soleil. Et là, le fait. Encore une excuse. Ça veut dire que. Je lui ai dit. Donc ça veut dire que toi, comme tu es blanche, tu devrais pas mettre de haut blanc, c'est ça? Et une deuxième chose, c'est aussi mes copines blanches qui, quand elles vont à Zara, qu'elles voient une robe rouge, elles m'envoient un snap. Oh, Mariam, ça t'irait trop bien. Ou on m'identifie sur des vidéos sur Instagram de maquillage. Et si je mettais du rose sur mes yeux ou ma bouche, elle m'irait bien parce que je suis une femme de couleur. Et que la couleur. Donc, ça, c'est vraiment. C'est pas un signe de beauté vis-à-vis d'un homme, mais entre femmes blanches et noires, peut-être. Voilà. C'est que je dois toujours être colorée, en fait. Quand on est entre noirs, en fait, on ne se rend pas compte qu'on peut être blessant avec les mots. Je parle de moi parce que quand j'étais à l'école obligatoire, je prends ma soeur. Quand j'étais à l'école obligatoire, en fait, enfin, peut-être il y a un de mes amis qui va se reconnaître, mais je n'ai pas pu lui dire en face. Mais on ne se rend pas compte qu'on peut être blessant avec les mots. Pourquoi c'était clair, là? Il y a des amis qui me disaient tout le temps, déjà on n'était pas beaucoup de noirs, et puis avec les noirs qu'il y avait, ils me disaient tout le temps, ah t'es plus clair, et ça venait surtout des noirs en fait, du peu de noirs qu'il y avait dans la classe, ah oui t'es plus clair, comment ça se fait, t'es clair, oui c'est vrai, tes jambes et tout, ce qui fait qu'en fait en grandissant, en fait on s'enferme dans sa bulle, parce que moi personnellement je l'ai mal vécu, parce que je me sentais mal par rapport aux autres noirs. Je me disais, mais pourquoi je ne suis pas plus foncée? Il s'est passé quoi? Parce que c'est vrai que des fois, les noirs, on a des tons, par exemple les doigts, au niveau des jambes, c'est un peu plus foncé que les autres parties du corps. Et je me posais des questions, je me disais, mais pourquoi ils me disent tout le temps, t'es trop clair? Et à un moment donné, je me suis dit, en fait, j'aimerais être foncée parce que moi, je ne me trouve pas claire personnellement. Et j'étais vraiment mal par rapport à ça, parce qu'eux, ils ne se rendaient pas compte qu'ils me blessaient. Et même un jour, je suis rentrée chez moi et j'ai demandé à ma mère, « Maman, est-ce que tu me mettais des crèmes éclaircissantes depuis que j'étais née, en fait ?» Parce que je ne comprends pas, tous les noirs de ma classe, ils me demandent tout le temps, « Ouais, oui, t'es plus clair, t'as les jambes claires. » Ce qui fait que ça crée un complexe en moi. Et ça, par exemple, en été, je mets tout le temps des pantalons parce que j'ai peur, en fait, que certains noirs qui sont autour de moi, ils me disent, mais ah, en fait, t'as les jambes claires, tu mets du choco, comment ça se fait? Donc, faut juste qu'on fasse attention à ce qu'on dit souvent, parce que la personne qui est en face de nous peut mal le percevoir, elle peut se sentir persécutée par ça. Donc, si on peut vraiment faire attention aux mots qu'on dit, parce que ça peut souvent être blessant et marquer certaines personnes quand ils grandissent, quoi. Donc, faisons attention vraiment. Avant qu'on parle des hommes, on devait d'abord voir le problème des femmes, parce que c'est clairement vous qui l'avez vraiment subi de manière beaucoup plus intense que nous. Voilà pourquoi j'ai dit que c'était la même chose, enfin que le phénomène était le même, et non pas, je comparais pas le niveau de notre souffrance. Maintenant, j'aimerais en fait laisser aussi la voix aux hommes, parce qu'on n'a pas beaucoup à avoir parlé, hein. Vous vous cachez tous ici, là. Non, mais c'est... Ouais, t'es ma sorcière ce soir. Mais ouais, ce que je voulais dire, c'est que je pense que les sœurs ont donné leur souffrance, et il est temps, en fait, que nous soyons prêtes. C'était pas des souffrances? J'en avais. Non, je dis pas qu'on a des souffrances, je voulais juste avoir des points de vue d'hommes par rapport à ça, par rapport à ce que les sœurs ont dit et comment vous avez réagi. Mais en tant que noir aussi, je sais pas comment on peut me catégoriser, parce que pour certains je suis clair, pour d'autres je peux être foncé, mais voilà, je me considère comme noir plutôt foncé. Et surtout pas clair, mais c'est vrai que, non, pas dans ce sens-là, mais dans le sens que je ne me considère pas du tout comme un noir clair, mais voilà. Mais il y a une, je vais historiciser mon histoire, parce que c'est vrai que nous, en grandissant, on est d'abord avec le fait qu'on est noir, tout court. Il n'y a pas de distinction, parce que c'est majoritairement blanc. En plus, moi, je suis arrivé, j'avais 12 ans, du Cameroun, donc je ne connaissais pas cette distinction vraiment. Je n'avais pas vécu de métissage ou de clarté de la peau. Donc quand je suis arrivé en Suisse, j'étais catégorisé noir.
Et puis déjà, on avait une petite souffrance au début, c'est que nous, les hommes noirs, on doit beaucoup se reconnaître ici, c'est qu'on ne chopait pas, nous, quand on était petit. Non, mais c'est clair, qu'on se le dise. Mais c'est pas... Il est habitué là-bas, il fait. Mais tout ça pour dire que voilà, c'est pas parce qu'on était moche ou quoi que ce soit, c'est juste parce qu'on était noir et on était catégorisé comme moche. En grandissant, bah il y a eu le hip-hop, il y a eu les baggy, voilà, ça s'est un petit peu inversé. On a commencé un petit peu à devenir intéressant. Et maintenant, il y a une tendance depuis près 2011-2010, quand il y a énormément d'artistes clairs de peau qui sont venus. Qui sont devenus très tendance, Tyga, Chris Brown, je vais pas vous faire la liste. Et d'un coup, on a subi ce qu'on subissait quand on était petit en tant que Renoir. Je me disais, mais maintenant, je suis plus catégorisé comme noir, maintenant je suis noir foncé. Parce que maintenant, il faut que la tendance, c'est les métis, c'est les noirs clairs, s'ils ont la chance, entre guillemets. C'était ça maintenant. Donc en tant qu'homme noir, c'est très difficile parce que tu te dis, tu commences à plaire un petit peu. Et puis d'un coup, on te remet dans une case. On te remet dans une case que tu as subi durant ton enfance. Donc en tant que noir, c'est vrai que c'est un truc sur lequel il faut revenir parce que on se rend pas compte de la répercussion, par exemple, que la médiatisation des hommes noirs clairs ont pu avoir aussi. Et ça, c'est profond. Parce que c'était vraiment quelque chose qui était subi parce que quand tu t'intéressais à quelqu'un et que tu allais lui parler, elle allait même pas te regarder parce que tu étais déjà catégorisé comme plutôt français. Par contre, si tu avais un pote un peu plus clair, tu disais hey, ça passe. Pourtant, peut-être moi je le trouve chat, je trouve que je suis plus frais. Mais juste le fait qu'il soit clair de peau, ça passait tout de suite. Donc voilà. Mais ça, c'était c'est les femmes blanches ou sur les femmes noires? C'était les deux. On a été influencés un peu de tous les côtés par rapport à ça, que ce soit homme ou femme. On a nos souffrances qui ne sont pas forcément au même degré, mais on en a eu aussi. Donc voilà, maintenant nous, en tant qu'hommes, on a aussi un autre phénomène qui s'est développé avec le colorisme, c'est la virilité. C'est-à-dire, plus on est foncé, plus on se perçoit comme viril. Donc je pense que je vais laisser la parole à JD, comme ça il en parle mieux parce qu'il l'a vécu. Bon, pour faire suite à ce que Chancel vient de dire, moi, je vais brièvement vous introduire une dimension du colorisme les plus spécifiques aux hommes. C'est comme Chancel va dire, le rapport à la virilité qui est souvent associé au teint de la peau. Pour faire bref, au sein de la communauté noire, on fait souvent l'association suivante. Peau foncée égale homme viril, peau plus claire égale homme, je sais pas, fragile ou manque de virilité, etc. Cette conception des choses, elle va amener plusieurs problèmes qui ne vont pas être exactement les mêmes en fonction de l'endroit où on va observer le phénomène. Par endroit, j'entends en fait le pays, voire même le continent. Par exemple, en Europe, on voit que ce phénomène, il va créer pas mal de troubles identitaires chez des hommes noirs qui, finalement, sous les pressions sociales, ils vont devoir se conformer à des cases qui ne vont pas forcément correspondre en fait à ce qu'ils veulent pour eux-mêmes, ou en tout cas ce qu'ils aimeraient être. Aux États-Unis, on voit que le phénomène il apporte également les mêmes troubles identitaires qu'en Europe, mais ça va être un degré souvent beaucoup plus important. Et là-bas, on observe également des cas d'exclusion sociale, voire même géographique, de certains individus en fonction de leur teint de peau au sein même de la communauté noire. Enfin, il y a également le risque pour des hommes de subir un traitement qui va être différent de la part des autres groupes, donc les groupes non noirs, et en fonction de leur teint de peau toujours. Je peux vous donner l'exemple des hommes au teint foncé qui vont souvent être plus facilement pris à partie pour des contrôles de police, ce genre de choses, vu que le teint foncé est souvent associé à la criminalité, etc. Donc aux États-Unis, le phénomène il a pris une dimension qui est bien plus grande qu'ici. Ça va dépasser vraiment le cadre des simples blagues, plaisanteries qu'on connaît beaucoup ici en Europe sur les hommes plus foncés, etc. Et ça va créer des réelles inégalités sociales dans une communauté qui est déjà fortement désavantagée. Donc partant de ce cadre qui a été posé, on vous propose, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer là-dessus. Ce qu'on a réalité a beaucoup à voir avec la médiatisation des choses. C'est-à-dire que quand on voit des athlètes à la télé, ils sont souvent très foncés, et c'est eux qui sont les plus musclés. Quand on voit des photos de, je sais pas, de lingerie masculine, les gars sont vachement musclés, etc. Et c'est souvent les plus foncés qui sont mis en avant avec, on parlait avant de l'huile, etc. Moi, en tant que métis, j'ai rarement vu personnellement un métis vachement musclé, bien bâti,
à la télévision ou n'importe où. Donc je pense que les médias ont beaucoup à voir dans cette, à véhiculer cette image de l'homme foncé, viril et fort et puissant, etc. Et puis je pense qu'il y a aussi une idéalisation de la femme qui dit « Ouais, plus il est musclé, plus il est beau. » Et puis bah, nous, en tant que petits métis à côté, on se voit, on est à côté d'une femme comme ça, puis on se dit « Ah ouais, ok, moi j'ai plus petit bourrelet, moi, j'ai pas d'abdos en béton, j'ai pas de biceps magnifiques, mais je suis quand même là, quoi. » et du coup, je pense que c'est aussi les médias qui font cette distinction. Il y a beaucoup de dénonciations, mais je vois aussi, à travers cette soirée, qu'on essaie de trouver des solutions. C'est quoi le combat? Pour moi, on se trompe de combat souvent chez les Noirs. Bon, pour moi, le combat, c'est l'influence. Parce qu'il nous faut être influents ici pour faire changer les choses. C'est pas juste être entre nous, en communauté, dénoncer, et après, chacun repart sur ses activités. Donc, essayons de voir aussi comment on peut, je sais pas, du lobbyisme, de l'organisation, mais comment on peut trouver des solutions pour faire changer les choses. Voilà. Je pense que toute chose, en fait, part de notre pensée. Et dans cette pensée, on doit aussi apprendre à changer notre regard les uns sur les autres. Parce qu'en fait, dans tout ce qu'on a dit là, ce qui revient, en fait, c'est qu'on a des préjugés par rapport à l'image que l'autre, mais ça, même au-delà de la couleur noire et tout ça, du débat noir, mais c'est-à-dire qu'on a des préjugés par rapport à ce que l'autre va refléter. C'est-à-dire que, je me rappelle souvent, elle s'appelait Téléphone quand j'avais soir. À l'école qu'on avait ensemble, celle qui avait les tissages et tout ça, qui dansait beaucoup, c'était des liafous. Alors moi, j'avais pris l'habitude d'aller en soirée, je ne dansais pas. Parce que je ne voulais pas être dans cette catégorie. À cette époque-là aussi, je ne sortais pas avec des hommes noirs. Parce que pour moi, le noir, c'était la souffrance, la pauvreté, la tromperie, le mensonge. Et tout ça. Mais c'est-à-dire que, en fait, c'est vraiment le regard qu'on a les uns envers les autres. Pour moi, une fille, à cette époque-là, les filles qui avaient les cheveux naturels, c'était une villageoise. Mais vous vous rendez compte, en fait, c'est nous-mêmes, on a des a priori, soit par l'éducation, soit par plein de choses, c'est-à-dire que la première chose qu'on va voir chez un individu, il est comme ça. On a déjà fait une liste de quel genre de personne c'est. Ça va aussi avec les pays, les Angolais, les Congolais, c'était pas des gens que j'approchais. Parce que... Mais c'est juste qu'à cette époque-là, j'avais des préjugés vis-à-vis des gens, mais aussi vis-à-vis de moi-même. C'est-à-dire que comme déjà je ne sortais pas avec des noirs, c'est-à-dire donc je sortais avec des blancs. Et je savais que je devais avoir une certaine image pour sortir avec ces hommes blancs. Et là vient la sexualisation de la femme. Parce que c'était à une époque où je me sentais obligée d'être hyper sexualisée dans tout ce que je faisais. Pour, et ça mène aussi dans beaucoup de vices, en fait, cette hyper-sexualisation de la femme, parce que ça amène aussi, en fait, on devient chose, la femme objet, c'est-à-dire l'accessoire d'un homme. Parce que cet homme-là, son accessoire, c'est qu'il a une femme noire à ses côtés. Parce qu'au regard des gens, ils savent pourquoi cette femme est à ses côtés. Et c'est des choses que je trouve qui sont vraiment importantes, parce que je parlais brièvement, mais par exemple dans ma communauté, la communauté camerounaise, moi j'ai vraiment la chance que ma mère m'a jamais mis de pression par rapport aux personnes avec qui les personnes que je fréquente, mais je sais qu'il y a beaucoup de mes sœurs qui ne peuvent pas ramener un homme noir chez elles. Pousser à être avec des hommes blancs, mais pas n'importe lesquels. Et ça pousse à autre chose, la prostitution. Parce que c'est quelque chose qui est vraiment fréquent chez nous. J'ai beaucoup d'amis qui sont tombés dans ces milieux-là. Parce qu'on ne va pas dire, on ne va pas mâcher nos mots, une escorte, c'est une prostituée. Ça va aussi là-dedans. Et c'est-à-dire que des petits problèmes, c'est-à-dire que le colorisme et tout ça peut déborder sur des choses beaucoup plus profondes. C'est-à-dire des dangers, en fait. On se met dans des dangers et... voilà, je pense que c'est vraiment notre regard, premièrement, comme j'ai dit au début, qui doit changer.
les uns envers les autres. Donc voilà. Est-ce que les hommes peuvent me dire que c'est qu'est-ce qui les empêche de sortir avec des femmes noires? Par exemple, quand tu rentres dans une soirée et que tu vois l'homme noir. En fait, quand on rentre dans une soirée et qu'on voit le mec noir, il va juste tourner la tête et il va dire c'est pas moi que tu vas choper ce soir. Pourquoi vous faites ça? Je vais, on doit... Réponds déjà. Ouais. Je vais donner la parole à Chancel. Ouais, non, clairement, j'ai fait partie de ces gens-là. Et plus je grandissais, en fait, plus j'ai commencé à voir que j'étais pas en accord avec moi-même. Dans le sens où j'ai des sœurs, et celles que je dénigrais ressemblaient à mes sœurs, en fait. Et je disais, mais en fait, là, je suis en train de dénigrer une femme, et ma sœur, au final, je la dénigre aussi, en fait. Celle, ma mère que je dénigre aussi. Et au final, tous ces moments-là, en fait, où en fait tu regardes la femme noire au début comme ta sœur, comme ah ouais mais je peux pas parce que c'est comme ma sœur, etc. C'est des excuses qu'on se donne parce qu'on veut pas affronter la réalité. La réalité c'est quoi? C'est qu'on a clairement été influencé par d'autres personnes et qu'on n'avait pas nos propres avis. Parce qu'une fois que tu te mets face à vraiment qui tu es en tant qu'homme noir, tu vois en fait à quel point la femme noire elle est vraiment incroyable sur toutes ses formes. C'est-à-dire que si tu aimes ta mère... Non mais c'est vrai, si tu t'es face à toi-même, tu dis mais la première femme que tu aimes c'est ta mère. Donc tu la vois et tu dis mais ma mère elle est tellement géniale. Et tu vois des femmes qui sont similaires à ta mère, qui mènent les mêmes combats de la même manière que ta mère, qui ont le même courage que ta mère. Au final tu dis mais en vrai qu'est-ce qui m'empêche, et tu comprends au final. Et pour moi aujourd'hui maintenant, j'ai presque 30 ans, ben limite... On dirait pas. Non, mais c'est vrai que clairement, au jour d'aujourd'hui, je verrais pas ma vie sans une femme noire. C'est une déclaration. J'ai réfléchi sur cette question et la question en fait, de l'âge, de la condition en fait, de l'homme noir comme il grandit par rapport à tout ce qu'on lui inculque, les idées qu'il reçoit, arriver à un âge, disons, vas-y je parle cru, l'âge sur 15-16 ans où il doit arriver à choper, etc. Il va rentrer de un par rapport à tout ce qu'on lui a inculqué, qu'on lui fait croire depuis des années et des années que c'est la femme blanche, la femme qu'il faut avoir. Au-delà de ça, on ne peut pas nier, et ça je l'ai remarqué, c'est pas mon cas, hein. Moi je parle pas de moi, je parle pas de moi, mais j'ai remarqué que plusieurs de mes potes, etc., ils disaient non mais c'est comme une sœur, c'est comme une cousine, on peut dire que c'est une excuse, mais je pense que d'un point de vue psychologique en grandissant, ça peut être quelque chose qui est tout à fait clair, tu le remarques même, je crus encore, hein, chez certains blancs, quand ils viennent, par exemple, étudier à l'université de Lausanne, etc., pour eux, ça doit forcément être une genevoise, une vaudoise, etc. La jurassienne qu'il a laissée là-bas, il ne veut plus lui entendre parler. Et c'est un peu ces mêmes schémas psychologiques qui peuvent être, en fait, dans les cerveaux des jeunes Africains quand ils grandissent. Arrivé à un certain moment, comme Chancel il le disait, il y a en fait une réflexion propre ou pas qui peut se faire, et justement les gens là ils changent de mentalité et ils se retournent vers en fait ce qu'ils sont proprement, parce que sortir avec une blanche, sortir avec une noire, c'est égal en fin de compte, c'est juste pas que tu sortes avec quelqu'un parce que il y a quelque chose hiérarchiquement, psychologiquement qui t'a rendu tellement pourri dans le cerveau que tu te dis je vais sortir que avec un seul genre, et c'est juste ça par rapport à ça que je disais. Mais en fait je me demandais, parce que quand j'étais petite, je me rendais pas compte de toutes ces remarques, sur, que ce soit des remarques racistes ou bien sur le colorisme. Et puis, en fait, en grandissant, je me suis rendu compte. Puis en fait, je m'embrouillais du coup tout le temps avec tout le monde, parce qu'en fait, dès que tu as une remarque, du coup, ça me tenait à cœur et je les voyais vite, ces remarques-là. Et puis, en fait, là, je suis arrivée à un stade où j'en ai marre juste de tout le temps m'énerver. Du coup, je fais un peu l'inverse, je réponds l'inverse par rapport au blanc. Quand quelqu'un me dit quelque chose par rapport au noir, m'expliquer, c'est comme si j'ai des potes qui me disent ouais, un noir je pourrais jamais sortir avec ou comme ça. Et moi je lui dis ouais, un blanc ça me dégoûte.
Puis en fait, je fais exprès de dire l'inverse et je remarque par rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui, enfin, c'est pas forcément la solution. Du coup, en fait, j'aimerais juste savoir comment vous faites dans la vie de tous les jours. Au final, qu'est-ce qu'on répond? Est-ce que toutes les remarques valent la peine de créer un débat? J'ai l'impression qu'au niveau de la beauté aussi, on a tous une idée reçue de ce qui est beau par rapport à l'autre, puis aussi par rapport à nous. Genre, par exemple, tu disais avant que l'homme viril, c'est l'homme qui a, par exemple, des muscles, qui a la peau plus foncée, et des poils, etc. Puis c'est pareil aussi pour les femmes, on a tous une idée reçue de ce qu'est la beauté, de ce qu'est la féminité. Et je trouve que c'est cool, en fait, aujourd'hui, qu'on puisse en parler entre nous, parce qu'en fait, on voit que tout ça, c'est des idées reçues, parce que si tu poses la question à une femme, qu'est-ce qu'elle trouve viril chez un homme, elle va sûrement, enfin, très rarement, elle va te répondre que c'est les gros muscles, les poils partout. En tout cas, En fait, je pense qu'avant de trouver la solution, il faut aussi vraiment comprendre d'où ça vient, en fait, trouver la source aussi. Parce qu'au début, on a parlé des sources historiques, on a parlé du discours de Lynch. Et en fait, mis à part le fait où il disait qu'il fallait mettre chaque l'un contre l'autre par rapport à des critères physiques, il a aussi compris quelque chose et c'est ça qui a fait que sa théorie elle a fonctionné, c'est qu'il avait compris que chez le peuple, enfin les peuples afro, les peuples africains, tout ça, ils avaient une habitude qui était ancrée en eux, c'est qu'ils transmettaient vraiment de génération en génération chacun de leur culture. Ça veut dire que, on est très, très ancré dans la culture, l'éducation africaine, en tout cas, elle est vraiment transmise. C'est différent, je sais pas comment vous expliquer. Et en gros, lui, il s'est vraiment servi de cette éducation-là pour transmettre cette idéologie-là. Parce qu'il savait que la mère allait le transmettre au fils, à ses enfants, qu'ils transmettront à ses enfants, qu'ils transmettront. Ce qui fait que jusqu'à maintenant, on a ça et c'est tellement, l'esclavage, voilà, c'est tellement ancré en nous que quand on grandit, en fait, c'est pas que des idées reçues, ça vient pas que de dehors de l'école, en fait, ça vient de la maison déjà. Ça vient de nos parents, en fait. Tu sais pourquoi, par exemple, pour les courses des chevaux, ils ont des œillères? Des chevaux. Pourquoi ils ont des œillères? Pour éviter justement de regarder à gauche, à droite. C'est-à-dire que le cheval, dès qu'il voit l'autre cheval à côté, ça le perturbe. Et il peut tomber direct. Et si le premier tombe, c'est tout ce qui est derrière qui tombe. Et donc, je pense que moi, la solution, c'est de se mettre des œillères et de foncer droit au but sur son goal, sur sa réussite personnelle et sur ses compétences. En fait, je pense que ça dépend. Il y a une vision occidentale des choses et une vision du continent africain, proprement dit. Ici, je crois que je n'ai pas besoin de redire ce qui a été dit. C'est exactement la représentation qu'on a. Les hommes plus foncés sont plus virils, les hommes plus clairs sont plus fragiles. Mais dans le continent africain, c'est tout autre chose. En fait, les hommes foncés, on ne peut pas leur faire confiance. Et les hommes clairs sont des hommes de confiance, sont des hommes de bien, sont des hommes qui avancent. Je parle de mon pays d'origine, enfin, le Congo, parce que c'est le pays que je connais le mieux. Les 75% des millionnaires et des milliardaires hommes sont des hommes très clairs de peau ou des métis. Obligatoirement, on dirait. Enfin, il doit y avoir peut-être deux ou trois, mais les 15 que je peux vous en citer là maintenant, ils sont soit métis, soit clairs de peau. Est-ce qu'ils sont plus intelligents? Est-ce qu'ils sont nés avec une étoile plus lumineuse que les autres? Non, c'est tout simplement que ces hommes-là, on va les mettre en avant. On va se dire, bon, lui, il est de confiance parce qu'il est clair. Lui, bon, il est plus foncé. Bon, non, lui, c'est quelqu'un qui est comme ci, comme ça. Et ensuite, pour continuer sur la question de pourquoi ils choisissent les femmes claires, en somme, je ne pense pas que ces hommes-là ont une préférence entre les femmes foncées et les femmes claires. Mais en fait, la société leur dit tellement que, bon, comme tu as réussi, comme tu es beau, comme tu es grand, ta femme, elle doit avoir, enfin, elle doit d'abord être claire, bien sûr, sinon, ça ne vaut pas la peine. Et elle doit avoir un caractère aussi, elle doit avoir les yeux bridés, elle doit être plus belle. Et les hommes qui ont réussi de notre communauté, que ce soit dans les Dom-Tom, que ce soit dans le continent africain, et qui représentent quelque chose, il faut le dire, très souvent, leur femme était blanche ou... je ne sais rien quand les femmes dérangent, bien sûr, mais je prends l'exemple de Cheikh Anta Diop et tout ce qu'il représente. Il s'est marié avec une femme blanche,
ça fait pas de lui quelqu'un qui déteste les noirs, bien sûr. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Et chez les hommes dans le continent africain, je me souviens d'un témoignage, un vieux politicien de chez nous qui est décédé déjà, il s'appelait Gounza Karlibol, il s'était marié avec une femme française qui l'aimait, qui n'était pas de la haute société, et on lui a demandé en direct à la télévision, pourquoi vous êtes marié avec elle ? En direct. Il a dû expliquer, parce que je l'aime. Je m'excuse, je ne sais pas si le sujet a déjà été traité parce que je suis arrivée un petit peu en retard. Mais en fait, je voulais rebondir sur ce qu'ont dit Chancel et Franche. Quand vous parliez en fait des... enfin plutôt, Chancel, quand tu parlais du fait que voilà, les femmes noires, tu avais appris à les aimer parce que finalement, tu as vu le vis-à-vis par rapport à tes sœurs, par rapport à ta mère. Tu t'es dit, c'est des femmes qui méritent d'être valorisées, qui méritent d'être aimées. Et en fait, j'ai juste un petit souci avec ça, mais pas par rapport à ce que tu as dit, mais de manière générale, c'est que j'ai l'impression que les hommes noirs d'aujourd'hui se cache en disant j'aime la femme noire, mais un style de femme noire, uniquement la femme claire. Parce que la femme noire foncée, on ne l'aime pas vraiment. Mais on la trouve belle, on la trouve très jolie, on la trouve très bien. C'est une femme bien, mais on ne la marie pas, on ne sort pas avec elle, parce que bah, elle est un petit peu trop foncée. Alors que la femme noire claire, c'est une femme noire, mais elle est claire, donc finalement elle rentre dans les codes et ça leur permet pour certains de prétendre aimer la femme noire, donc prôner la femme noire. Mais qu'un style de femme noire, la femme noire claire. Pour revenir en fait à la question que les hommes noirs ne sortent pas avec les femmes noires, enfin les femmes foncées de peau, moi je pense aussi que je suis assez d'accord avec elle quand elle dit qu'ils vont promouvoir en gros un certain type de femme noire. Et moi je pense que parfois certains hommes aussi, il faut arrêter de nous voir comme votre mère ou comme votre sœur. C'est pas faux tomber à l'eau, c'est bon. Mais parce que, moi je trouve que c'est sympa de se rendre compte qu'on vaut la peine, enfin qu'on vaut la peine entre guillemets, parce que vous avez l'exemple à la maison de maman, de la sœur, etc. Mais je pense que ça met encore une fois les femmes noires foncées dans des cases, dans le sens où on va s'attendre à ce que la femme noire qu'on rencontre, elle ait le même comportement que sa mère. Je suis pas ta mère, moi je suis quelqu'un d'autre. Et aussi, j'aimerais rajouter aussi quelque chose par rapport, parce qu'il y a par exemple des hommes noirs qui vont sortir avec des femmes blanches ou avec des femmes plus claires. Et puis parfois ils vont se dire oui mais c'est pas parce que je sors avec une femme blanche que je n'aime pas les femmes noires ou que je suis pas d'accord avec le fait de sortir avec une femme noire. Moi je pense qu'il y a les goûts et les couleurs, ça vraiment il faut qu'on tienne en compte les goûts et les couleurs, mais parfois je pense qu'on oublie trop souvent d'où on vient, dans le sens où ces hommes noirs maintenant qui par exemple sortent avec une femme blanche ou avec une femme plus claire, ils vont se dire oui moi je la trouve jolie, moi je la trouve comme ci comme ça. Par contre si vous aviez en fait grandi dans vos pays en fait, d'où vous venez exactement, si vous aviez grandi, je sais pas, j'ai entendu le Congo, j'ai entendu le Cameroun ou des choses comme ça, ça aurait été différent parce que vous auriez eu une autre perception, la société aurait été différente et ça vous aurait fait voir les choses d'une façon complètement différente. Moi, je suis d'accord, les goûts et les couleurs, si vous aimez une femme blanche, bah, c'est bien. Les femmes métisses, c'est bien aussi. Par contre, nous, en tout cas, moi, personnellement, si un homme noir ne veut pas sortir avec une femme noire simplement parce que, bah, il préfère, c'est une histoire de préférence, il préfère une métisse ou une blanche, ça me va très bien. Et je pense qu'à toutes les autres femmes ici, ça nous va très bien. Le problème, en fait, c'est que c'est pas tellement que vous aimez seulement les métisses, c'est que vous aimez les métisses et vous dénigrez les noirs. Ça marche pas. Vous avez le droit de les aimer, c'est pas notre problème, mais il faut pas nous dénigrer, en fait. C'est juste ça. Merci. Étant la fille de l'homme noir qui a épousé une femme blanche et qui a grandi en Haïti, donc vécu là-bas, c'est que il y a vraiment les goûts et les couleurs et il y a le hasard de la vie et ça faut pas qu'on l'oublie, faut pas qu'on, non plus qu'on dénigre l'homme noir ou la femme noire qui sort avec un homme ou une femme blanche, parce que vraiment je veux pas qu'on ressorte de cette discussion avec une haine en plus, juste une compréhension en plus de la situation. Et en fait les points négatifs
tout ce qui est dans le colorisme qui est négatif, en fait, c'est les négations. C'est de dire, elle est pas belle, elle est comme ça, et en fait, c'est à ça qu'on doit penser. On peut valoriser qui on veut, et après, il faut faire quand même attention, je crois qu'on va pas instrumentaliser la femme noire pour paraître être un homme woke qui a tout compris à ce que c'est le combat afro et tout ça, et qui va dire, non mais la femme noire, c'est... Et après, limite, aller trop loin. Trop loin dans les adjectifs, elle est forte, elle est comme ça. Laissez la femme noire être qui elle veut, comme elle veut. Et je pense que c'est ça, on doit partir avec ça. En fait, c'est qu'on nuance. Tout le monde est en fait une nuance de personnalité. On est tous différents. On le voit via cette discussion, on le voit au quotidien. Donc il faut s'en rappeler en fait. On n'a pas un rôle à jouer. On a... En même temps, il y a un combat qui est sur nos épaules, dans le sens où, comme ma soeur posait la question. Qu'est-ce qu'on répond aux gens? Parce qu'on nous pose les questions tout le temps, on nous demande toujours, et on veut répondre parce qu'on est touché par le sujet, mais il faut aussi des fois se protéger de ça en fait. Et des fois on n'a pas besoin de répondre, des fois on n'a pas besoin d'expliquer parce qu'on va se fatiguer. Enfin, ça nous prend de l'énergie, exactement. Et en fait déjà, au fond, il faut penser à nous-mêmes, vraiment, parce que souvent on se perd dans ce combat. On se perd à expliquer à nos frères, à nos sœurs, aux blancs, aux noirs, à tout le monde. Et je pense qu'il faut réagir quand on a envie de réagir et pas par obligation de réagir. Parce que ce combat, on va le vivre et il sera toujours là dans j'espère pas, mais dans 50 ans. Il y aura toujours des gens pour porter la voix et des gens pour parler. Donc voilà. C'est vrai qu'on a mis en avant la société, les réseaux sociaux et puis tout ce qui fait qu'on est dans le paraître en fait. Et puis à trop vouloir être dans le paraître, on oublie d'être tout simplement. Et puis c'est vrai que finalement, on vit à travers, qu'on le veuille ou non, on vit à travers les yeux d'autrui. On vit en premier à travers les yeux de notre mère, nos parents, de nos frères et sœurs. Et puis en grandissant, on a toujours ce besoin de paraître pour être accepté au niveau de la société. Ce qui se fait qu'on va aller vers les choses qui... Pour se faire aimer, on va paraître plutôt que d'assumer d'être. Et puis c'est ça des fois qui fait qu'on arrive dans des biais qui nous font des fois nous maltraiter nous-mêmes et puis taire notre être pour justement paraître bien dans la société, paraître bien à côté de ses copains qui disent « Ah oui, moi j'aime ça comme femme, j'aime plutôt ça comme type. » Et puis si tout d'un coup, nous on a une autre idée, une autre approche, eh ben on se sent mal à l'aise tout simplement de dire. Et puis finalement on arrive dans ce paraître perpétuel. Et puis après moi je trouve qu'on a une responsabilité je parle pour mon expérience, mais on a une responsabilité. Moi j'ai une petite fille et je dois toujours lui apprendre en fait, parce que les enfants, ce qui est trop bien avec les enfants, c'est qu'ils n'ont pas de filtre. Et puis, il pose les questions cash, comme ça. Et puis, finalement, on s'énerve. Et puis, après, on se demande pourquoi on s'énerve. Parce que, finalement, on est face à nos réponses qu'on n'a même pas... On nous a même pas appris ou on nous a même pas... On n'a jamais développé, puis on a voulu taire. Et puis, c'est vrai que, finalement, pour aller dans la vision, pour aller dans le but, au fait, de tout ça, c'est vraiment... Fais ce que tu veux dans ta vie et assume et aie le courage de l'assumer jusqu'au bout. Et la personne qui va te juger pour ton apparence ou pour ton paraître, c'est qu'elle ne doit pas être dans ton entourage, en fait. Elle ne doit même pas faire partie de ta vie. Et ça, c'est très, très important. C'est qu'il ne faut pas, comme il a dit, il ne faut pas essayer de s'intégrer, mais vraiment d'avoir sa conviction de qui je suis, d'où je viens, et puis quel est mon but. Si mon but, c'est d'être heureux, eh ben, tu t'es ce que tu veux être jusqu'au bout. Et ce que je voulais dire aussi par rapport à que répondre aux gens qui te disent bon ben voilà, moi j'aime les blancs, j'aime les noirs, tout ça, c'est que finalement je comprends ta méthode de dire ouais ben moi j'aime pas les blancs et tout ça, parce que tu veux rentrer peut-être dans la provocation, puis dans le miroir de dire ouais mais pourquoi tu dis ça, parce que moi si je te sors pas, tu te sens un peu bête. Et par rapport à ces gens, ben finalement t'as même pas à te justifier. Et par rapport à la fille qui avait parlé il y a quelques minutes, enfin une heure peut-être en arrière, en disant mais comment nous on peut agir aujourd'hui pour arrêter ça, je pense qu'on peut couper le paraître, ce préjugé, déjà en changeant nous-mêmes tous les préjugés qu'on peut avoir
être dans une journée et puis en gardant la même vision et puis en essayant d'être plutôt que de paraître. J'ai beaucoup souffert de colorisme quand j'étais jeune, mais vraiment je pense que ça m'a beaucoup affectée parce que je suis très foncée, je sais pas, je suis foncée de peau. Et c'est vrai que c'était plutôt à l'adolescence, il y avait ce garçon qui disait qu'est-ce que je vais dire à ma fille, enfin si j'ai une fille noire par exemple. Et moi ce que j'aurais bien voulu qu'on me dise, c'est que cette période de l'adolescence, ça allait passer en fait. Ça va passer, c'est un petit moment où on se trouve moins jolie. Et c'est vraiment un petit moment où on va développer d'autres compétences. Et j'ai développé d'autres compétences parce que j'ai bien remarqué que sur le point de vue de la beauté, j'étais pas dans les critères. Donc ça sert à rien de se battre et se dire non, mais si je me lisse les cheveux, si je fais ci, si je fais ça. Non, j'ai réussi, enfin je dis pas que tout le monde doit le faire, mais j'ai eu de la chance, j'ai réussi à développer d'autres compétences. Les études, le sport, les amitiés. Et c'est vrai que ce que je dirais, si je devais dire à une autre petite fille noire de 15 ans qui souffre aussi du colorisme, c'est que ça va passer. C'est que c'est pas normal, hein, tout à fait d'accord, c'est pas normal de le ressentir. Ça va passer, elle va développer d'autres compétences. Et je pense que les groupes, j'ai vécu à Londres et c'est comme ça qu'on a abordé aussi le sujet du colorisme. C'est qu'on faisait des groupes de discussion et juste le fait de pouvoir en parler, de s'asseoir à côté de d'autres filles et de dire ah ouais, moi j'ai ce problème, je me trouve trop foncée, je mets des produits éclaircissants sans être jugée. Parce qu'il y a plein de gens, hein, moi j'ai plein de copines, moi-même j'ai mis des produits éclaircissants quand j'étais plus jeune, mais je n'osais pas le dire parce que en même temps j'aimais pas être foncée, en même temps j'avais honte, en même temps. Donc du coup, le fait de pouvoir en discuter, je pense que ça aide beaucoup et peut-être même les plus jeunes, parce que je pense que c'est elles qui n'osent pas vraiment dire. À 14-15 ans, j'aurais jamais pu dire « ouais, j'ai mis des produits éclaircissants parce que j'ai essayé », mais plutôt aller vers les jeunes, filles ou garçons, et de leur dire « mais qu'est-ce que tu ressens ?» et juste les écouter, je pense que ça peut beaucoup aider. C'est ce que j'aurais voulu qu'on fasse quand j'avais 15 ans et ce que j'aimerais faire pour mes filles, enfin pour mes filles ou garçons d'ailleurs, c'est juste pour dire ça. J'arrivais pas longtemps, bon, je n'ai pas suivi tout ce que vous avez dit en fait. Donc moi j'avais deux points à dire, puis le premier c'était que pour moi en fait, les femmes noires en général et tout, ben, ils sont un peu perdus parce que depuis des siècles et tout, quand j'ai pas trop de temps, donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails, ça dit la femme noire et tout, bon, elle a perdu sa valeur. Donc, elle est perdue dans ces trucs qu'elle ne sait pas trop quelle image elle doit se donner parce qu'elle est toujours. Tout ce qu'elle doit faire, elle est critiquée. Mais si elle laisse ses cheveux, naturellement, ils vont dire ben, t'as pas de peine. Et bref, bon, en fait, je fais bref parce qu'il n'y a pas le temps. Mais il y a un truc qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps à Lausanne. Ils sont avec des amis, et puis on va dans un bar à Lausanne. Et j'arrive dans ces clubs et tout, puis il y a pas mal des Africains. Puis il y avait aussi des filles noires, puis tous les Africains qui étaient là, en fait. Ils étaient tous aller vers les blanches et tout, aller les draguer. Puis moi j'étais là, toute la soirée choquée, en fait. Après deux jours, avec mon ami que j'étais, qui était noir, je lui ai posé la question, mais. Je t'ai vu, il y a un mec qui parlait déjà avec une fille blanche, tu l'as entendu, après tu es parti, t'as donné ton tour, mais derrière toi, il y avait une fille noire qui était pas mal, mais pourquoi tu as parlé envers elle? Puis le mec me dit, ben écoute, est-ce que. Il m'a donné un truc un peu choquant que j'ai pas envie de dire. Mais moi, ma question à la fille noire, en fait. Ok, bah, en fait, il dit tu ne trouves pas la fille noire un peu jolie? Parce que Jean, il était en Afrique, il était à la fille noire, donc il est ici, il ne doit pas rester dans le même coup, il doit changer, tout quoi. Ben, la petite débile. Ben, moi, ma question à la fille noire, en fait, dans ces cas, dans ces sociétés et tout, comment vous arrivez à trouver vos places et puis aller en avance quoi. Moi c'est ma question. Comme solution, c'est en fait de dire
dans ces moments-là, quand quelqu'un vient vers toi et te dit « j'aime pas les noirs, j'aime pas les, moi j'aime pas les blancs, tu réagis de cette façon », la question à te poser à toi, c'est de dire « c'est ton énergie que tu vas dépenser à répondre à cette personne ». Du coup, est-ce que ça vaut la peine que tu dépenses cette énergie pour répondre à la personne en face de toi ? Moi, ce que je me dis toujours, quand je me pose cette question, je regarde toujours la personne en face de moi et si elle peut prendre le temps de discuter avec moi de pourquoi est-ce qu'elle me pose la question, pourquoi est-ce qu'elle me dit ça, le temps, je vais le prendre et l'énergie, je vais le prendre. Je suis toujours disposée à le faire, mais si ça ne vaut pas la peine, j'ai pas besoin de dépenser mon énergie pour ça. Puis c'est l'élément de réponse que je voulais apporter. Mais avant de passer au mot de fin, je voudrais juste que on retienne que le plus important, c'est pas tous les clichés qu'on a ressortis aujourd'hui, tous les problèmes, sinon on va sortir plus fâché que quand on est rentré. Mais il faut surtout qu'on retienne qu'on est tous aujourd'hui conscients du problème et que chacun à ce niveau est censé faire ce qu'il peut, aussi petit que cela puisse sembler être, pour changer la situation. Sinon, à côté de ça, comme j'ai dit, c'est malheureusement la fin. Nous sommes très contents de votre présence et au-delà de votre présence, votre participation active à la réussite de cet événement. On espère tous vous revoir très bientôt. Après ça, on a une conférence le 15 avril sur l'afroféminisme où on reçoit... Pamela qui était assise à côté de moi, qui a dû partir plus tôt, et elle va parler des mouvements afroféministes lors de la création de l'Union Européenne, pour montrer qu'en fait, des mouvements comme ça ont existé par le passé et existent actuellement. Si vous êtes étudiant afrodescendant, que ce soit à l'Université de Lausanne ou ailleurs, c'est pas grave, vous avez qu'à envoyer un mail à l'adresse recrutement@aea.gmail.com, juste là, tout en un mot. N'hésitez pas à envoyer le mail, on est super cool, on est super chill, franchement, vous avez vu, c'était bien. Donc envoyez un mail et puis ça sera, vous pourrez nous rejoindre et on va tous travailler ensemble pour continuer ce qu'on fait déjà très bien.